Bien, mes chers collègues, on va pouvoir commencer cette audition publique. Si tout le monde veut bien s'installer, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien entendu, c'est avec plaisir que monsieur le ministre, nous vous accueillons à nouveau dans cette audition. Je crois que c'est la quatrième, puisqu'on s'était vu en juillet. On s'était vu pour le PLF 23, c'était vu pour l'exportation des armements. Et donc, nous sommes là pour la quatrième audition publique. Et depuis votre dernière audition, nous avons réalisé trois cycles thématiques. Donc le budget 2023, j'en parlais à l'automne. Le retour d'expérience sur la guerre en Ukraine. Et nous avons une audition en cours, un cycle d'audition en cours sur la dissuasion, dont nous terminerons dans une quinzaine de jours les auditions. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre de ce cycle d'audition que la Commission s'est rendue la semaine dernière à Brest pour visiter la base de l'île Longue. Et je remercie notre collègue Jean-Charles Larsonneur, qui a d'ailleurs organisé une réunion publique, la deuxième de la Commission, qui a rassemblé plus de 150 personnes. J'en profite pour lui souhaiter un très bon anniversaire, Jean-Charles. 39 ans aujourd'hui, si j'ai bien noté. Et finalement, je le disais, c'était la troisième réunion publique, puisque nous étions à Pau, chez José Pueto, avec les terriens, avec les marins chez Jean-Charles. Et prochainement, nous serons en Dordogne, avec Jean-Pierre Cubertafon et les gendarmes de Saint-Astier, notamment pour continuer ce cycle de réunions publiques. Monsieur le ministre, lors de ses vœux aux armées, vendredi dernier, sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, le président de la République a présenté le cadre général de ce que sera la future loi de programmation militaire 2024-2030. Il a également précisé l'enveloppe de 413 milliards d'euros. Il en a précisé les grandes orientations. Vous le savez, la commission de la Défense est déjà au travail sur cette loi de programmation militaire. Bien entendu, au-delà de nos auditions, nous avons participé le plus activement possible au groupe de travail que vous avez impulsé. Nous en avons constitué nous-mêmes. Nous avons lancé 5 missions d'information, le retour d'expérience de l'actuelle LPM, la préparation opérationnelle, les fonds marins, la défense sol-air, les stocks de munitions, qui rendront d'ailleurs leurs travaux d'ici mi-février. Avant de vous laisser la parole, monsieur le ministre, je précise également que nous aurons l'occasion de vous auditionner à nouveau prochainement et plus spécifiquement concernant notre aide militaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous projeter vers la future LPM. Vous avez évoqué en séance publique, d'ailleurs, la lettre de mission que vous avez confiée ce matin au délégué général de l'armement. Et avant de vous laisser la parole, également, je précise concernant les modalités d'audition. On en a beaucoup parlé au sein du bureau pour faire évoluer ces modalités, pour gagner en efficacité, en interactivité. Et je pense que pour trouver la meilleure formule, rien ne vaut l'expérimentation. Et donc, je vous propose pour tester aujourd'hui que vous puissiez répondre au fur et à mesure aux orateurs de groupe pour plus d'interactivité. On verra ce que donne cette formule afin de faire évoluer nos modalités d'audition. Et chaque orateur de groupe disposera d'une durée de 3 minutes pour sa question. Et donc, vous pourrez répondre dans la foulée, si vous le souhaitez, aux orateurs de groupe. Voilà, je ne serai pas plus long, monsieur le ministre. C'est nous que nous sommes venus écouter. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président Gassiou. Mesdames, messieurs les députés, permettez-moi de vous adresser tous mes voeux pour cette année 2023. J'ai eu l'occasion de vous l'écrire, mais évidemment, je le fais désormais de manière collégiale et publique. Des voeux, évidemment, pour la Commission, le Parlement, qui va devoir évidemment examiner, vous l'avez dit, monsieur le président, cette loi de programmation militaire dans un moment difficile sur lequel on sait qu'on est observé par nos compétiteurs. On l'oublie, mais enfin, ils observent de très près ce que nous faisons, on va y revenir. Observé évidemment par nos alliés, observé par notre armée, par nos populations. Et donc, merci évidemment du travail qui est accompli ici, puisque, au fond, si la Ve République a organisé les choses d'une telle manière dans l'organisation des forces armées, dans la relation que le président de la République a comme chef des armées, il faut le redire, le Parlement a une place importante dans le contrôle du gouvernement sur ce qui est mis en œuvre, que cela soit sur le fond comme sur aussi la forme, l'organique, comme on dit si bien. Et donc, moi, je redis ma disponibilité pour la Commission, pour le Parlement, y compris sur la forme. Si vous tentez quelques innovations de questions-réponses, je tenterai de me hisser à ce niveau, en tout cas attendu par la présidence de cette Commission. Peut-être, parce que j'ai compris qu'on va essayer de faire un peu le bilan de la construction de la LPM, revenir sur le discours du président de la République, peut-être aussi vous détailler, puisque je n'ai pas encore pris la parole publiquement, sur qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et le dépôt du texte en Conseil des ministres, parce que autant qu'il y a des grands principes qui ont été arrêtés par le chef de l'État, un cadrage budgétaire, j'imagine qu'on y reviendra, mais enfin, l'arrêté, c'est que la copie n'est pas complètement terminée. La programmation militaire, c'est une courbe, avec une trajectoire, j'entends, c'est du normatif.
C'est un rapport dit annexe qui permet aussi de fixer le nouveau référentiel opérationnel, qui permet de décliner différents contrats opérationnels, qui permet de décliner évidemment le tableau avec les cibles capacitaires. Donc il reste encore quand même quelques semaines de travail et j'y reviendrai effectivement, j'ai donné un mandat à la DGA sur le capacitaire parce qu'au fond quand même c'est ce qui structure aussi le rythme d'exécution de la loi de programmation militaire, pas que. Et puis évidemment il faudra revenir aussi sur les attendus opérationnels que nous souhaitons, en tout cas que nous espérons pouvoir répondre dans les temps qui viendront. Non, j'aimerais d'abord revenir quand même sur la méthode. Je suis ministre des Armées depuis 8 mois. Je vois bien que je suis arrivé et j'ai été nommé dans une maison qui, au fond, bien que la loi de programmation militaire actuelle ait été exécutée à l'euro près, bien que les crédits aient augmenté, une maison qui est encore, au fond, assez traumatisée par les diminutions de crédits, et parfois exécutées sous forme d'une RGPP un peu aveugle, qui a parfois décapité un certain nombre de programmes. Et au fond, on a encore, dans le fond même des âmes des armées, de celles et ceux qui ont à connaître des éléments de gestion, il y a encore cette stratégie parfois du hérisson dans lequel on cherche à se protéger. Et au fond, évidemment, ce n'est pas complètement la même grammaire et la même philosophie qu'il faut employer quand les crédits augmentent, et singulièrement lorsqu'ils augmentent de manière importante. Donc j'ai ressenti ça assez vite. Et au fond, je vois bien que la machine avait pour habitude d'attendre la courbe, souvent une courbe qui diminuait, parfois qui augmentait. Et d'ailleurs, on ne le dit pas assez, Président, mais si la loi de programmation militaire actuelle augmente les crédits, au fond, c'est quand même la première année avec une marche à 3 milliards. Et on le va voir, et vous le voyez déjà dans les visites sur les bases aériennes, les régiments ou bases navales, au fond, que le caractère un peu perceptible des efforts de la LPM actuelle se faire jour, au final, seulement maintenant, à certains égards. C'est pas vrai de tout, bien sûr, mais en tout cas, sur beaucoup d'aspects, le caractère visible de ces efforts vont se faire sentir maintenant. Et en tout cas, tout ça pour dire que aller chercher la courbe était un peu la posture, et en fonction de la courbe, on essayait de faire un format d'armée dans lequel on n'abîmait pas trop les choses, on remettait pas en question un modèle d'armée dit complet, on essayait d'étaler tant bien que mal les différents programmes pour faire en sorte que ça rentre dans la trajectoire. C'est pas une critique, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé singulièrement ces dernières années. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs lois de programmation militaire dans l'histoire, souvent des lois de programmation militaire qui ont amplifié et soutenu l'effort décidé dans les années 60. C'est particulièrement vrai des LPM entre 1970 et le début des années 90, au moment où la dissolution du pacte de Varsovie nous fait rentrer dans une autre perspective. Il y a les LPM années 90 et suivants qui tirent les conclusions de la dissolution du pacte de Varsovie, mais aussi de l'émergence d'un terrorisme militarisé avec tout ce que l'on connaît ensuite. Et puis cette LPM, au fond, qui est un peu particulière, celle qui se termine dite réparation, parce qu'au final, au moment où on commençait à attaquer le dur du modèle d'armée, il ne faut pas se raconter d'histoire, cette loi a permis de redonner un peu d'oxygène. Et celle que nous allons construire, en tout cas ensemble, je l'espère, et vous proposer prochainement, au fond, elle s'inscrit dans une autre logique, qui est celle précisément que les gaullistes ont, en tout cas sur une méthode que les gaullistes ont employée dans les années 60, c'est de se dire, au fond, le monde va très très vite, les menaces changent, regardons avec lucidité le diagnostic sécuritaire qui plane au-dessus de la nation française, et en fonction de ce diagnostic, posons en intimité la question à notre appareil militaire de se dire, qu'est-ce qu'on est capable de couvrir comme risque, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de couvrir comme risque, qu'est-ce qu'on est capable de faire seul, qu'est-ce que l'on doit faire à plusieurs, qu'est-ce que l'on peut faire à plusieurs, qu'est-ce que l'on doit faire seul. Autant de sujets sur lesquels nous sommes évidemment revenus très longuement avec le CEMA, les chefs d'état-major d'armée, et bien sûr aussi la DGA, la DGRIS ou le DGSE ces dernières semaines. Bon, ce travail d'introspection interne, il est assez inédit. Je n'ignore pas que certains auraient encore aimé un livre blanc. Moi, vous le savez, je suis prudent sur l'outil du livre blanc parce que, jusqu'à preuve du contraire, il a permis de maquiller des diminutions budgétaires. C'est ainsi. Et ensuite, souvent, il était aussi fait pour gagner du temps pour un nouveau président de la République élu qui, comme ça, pouvait prendre 12 à 18 mois pour essayer de trouver quelques points de repère stratégiques, y compris quand parfois des majorités au Parlement étaient parfois pas toujours bien alignées sur des sujets un peu sensibles, comme notamment la question de l'OTAN ou la dissuasion nucléaire. Bon, nous, on n'est pas dans la même situation. Guerre en Ukraine, reconduction du mandat présidentiel, une LPM qui a commencé à réparer les choses, et puis une volonté d'augmenter les moyens des armées. Donc
on a fonctionné un peu différemment. Donc ça, évidemment, moi je pense que c'est clé dans la manière dont vous allez comprendre aussi la loi de programmation militaire et vous allez la travailler, vous allez l'amender, vous allez sûrement d'ailleurs, pour certains, la critiquer, et c'est bien heureux démocratiquement. Ce qu'il faut en revanche, évidemment, c'est jamais de perdre de vue à quel risque sécuritaire veut-on répondre. Si j'avance un peu sur ce sujet, la réalité est que plus que jamais, il nous faut garder au fond un modèle d'armée complet, mais pas comme avant. Si je devais commencer par là. Complet, mais pas comme avant, parce qu'on aura toujours un besoin impérieux de lutter contre le terrorisme, avec les capacités qui vont avec, on pourra y revenir. On voit bien qu'on a plus que jamais besoin d'une dissuasion nucléaire robuste et crédible, pour reprendre la formule consacrée. Enfin, dans un moment, on a une guerre conventionnelle aux portes de l'Europe sous voûte nucléaire, et dans un moment où, plus personne n'en parle beaucoup, et je me suis permis de le faire en répondant à la question du député Royer-Perrault tout à l'heure, on a aussi, de nouveau, de la prolifération particulièrement inquiétante sur des armes de destruction massive, avec des doctrines d'emploi plus que floues, potentiellement, de pays qui nous veulent remettre en cause un ordre établi. En tout cas, on pourra là aussi y revenir sur les questions de prolifération, qui sont évidemment clés. Et puis, à ces menaces-là, on voit bien qu'on a des nouvelles menaces qui viennent s'additionner. Jadis, on avait des menaces qui pouvaient retrancher des menaces précédentes ou amoindrir des menaces différentes. Là, on a une pure addition géologique, quelque sorte, de ces risques-là. Le risque climatique, parce que nos armées, on en a déjà parlé en séance budgétaire, mais peuvent avoir vocation, évidemment, à répondre à des enjeux et des défis climatiques. On y reviendra avec une copie particulière autour de l'outre-mer, parce qu'on sait très bien que dans nos territoires d'outre-mer, les forces armées peuvent être les premières à marcher sur des difficultés importantes. L'outre-mer, toujours sur des contestations de souveraineté. L'outre-mer fait partie de la nation française, de nos intérêts vitaux. Mais enfin, on le voit bien aussi qu'on peut, les menaces dites hybrides peuvent trouver parfois un terrain beaucoup plus perméable dans les territoires d'outre-mer et singulièrement dans l'Indo-Pacifique, parce que le Pacifique Nord va devenir une zone de tension, on le sait, et que par définition, en point de contact, les territoires ultramarins qui sont dans le Pacifique Sud peuvent connaître par ricochet certaines de ces secousses, y compris d'ailleurs aussi parce que la pêche illégale, parce que les différents trafics en tout genre peuvent aussi venir remettre en cause certains modèles de souveraineté dans nos eaux territoriales ou nos zones économiques exclusives en tout cas, et donc il faudra évidemment aussi le réaffirmer. Donc, on a cette addition, et puis en plus, on a des espaces nouveaux. On ne peut pas ne pas voir la militarisation de l'espace. On peut le regretter, plutôt partie de ceux qui la regrettent. Enfin, une fois que je l'ai regretté, je ne peux pas ne pas voir que ça devient un espace de sécurité, en tout cas dans lequel des enjeux de sécurité vont se poser pour la France. Notre capacité à observer depuis l'espace est une chose, à communiquer depuis l'espace est une chose. Notre capacité à protéger ce qu'il y a déjà dans l'espace, c'en est une autre. Et ça, c'est ce qui explique aussi les sommes qui peuvent paraître importantes pour nos concitoyens. Je pense aussi qu'il faudra qu'on travaille à l'acceptabilité sociale, politique, sociétale de la somme. Mais enfin, on voit bien aussi que le seul fait d'investir le champ du spatial, très vite, évidemment, conduit à ce que la facture devienne un peu plus salée, parce que ce sont des espaces nouveaux qui demandent évidemment beaucoup d'innovation. Pareil sur le cyber, dont on voit bien que le champ de bataille conventionnel devient électronique et devient lisible, qu'il est parfois ubérisable, on y reviendra aussi, c'est un des rétextes importants de retour d'expérience important de l'Ukraine. Bon, on voit bien aussi comment nos infrastructures civiles peuvent faire l'objet d'attaques hybrides à des fins militaires. Alors après, là, il y aura aussi des questions de doctrine qu'il faudra d'ailleurs qu'on imagine dans commission, Monsieur le Président. C'est qu'est-ce qui doit reposer sur les armées? Qu'est-ce qui relève aussi d'une protection et d'une défense cyber plus globale, qui repose sur chaque institution, entreprise, association, collectivité locale? À quel moment on regarde aussi la notion de frontière sur, évidemment, les attaques cyber? Donc là, je sais qu'un certain nombre de questions, je ne suis pas trop long, on y reviendra tout à l'heure. Mais il est clair que la LPM, si elle ne traite pas le spatial ou le cyber, et je rajouterai un troisième volet, les fonds sous-marins, on passe à côté de quelque chose. Bon, alors, il y a des sujets sur lesquels on est plutôt en avance. L'argent qu'on va mettre sur la table va nous permettre de garder cette avance et d'accélérer. Il y a des sujets sur lesquels on est en retard. Évidemment, j'aurai à vous présenter une stratégie spécifique sur les drones, puisqu'on sait très bien qu'on a pris un retard qui, à mes yeux, n'est pas acceptable ces années précédentes. Je tire les responsabilités, y compris pour moi-même. Et donc, de fait, maintenant, le sujet, ce n'est pas de rattraper le retard. Ça n'a pas de sens. Le sujet, c'est désormais de se débrouiller, d'être en avance sur certains segments
pour les drones dans les années qui viennent. Voici encore un autre exemple. Je pourrais encore en donner beaucoup d'autres. Peut-être encore un dernier sur la défense solaire, dont on voit bien qu'elle soutient, y compris notre dissuasion nucléaire. On voit bien aussi qu'elle présente un intérêt majeur pour les grands événements comme les Jeux Olympiques qui nous attendent, qu'elle présente aussi un intérêt majeur, je le disais il y a quelques instants, pour sécuriser nos territoires d'outre-mer, qu'on voit bien que pour l'ensemble de l'Europe, la protection du ciel en posture défensive sera toujours un sujet d'actualité. Et même pour demain, les Ukrainiens qui ont à connaître de ce sujet dans le conflit terrible qu'ils connaissent, même en cas de paix, continueront évidemment de faire des efforts importants pour la défense de leur ciel, parce que ça fait partie aussi de la dissuasion conventionnelle que d'être capable que de protéger son propre ciel. Et d'ailleurs, même pour l'acceptabilité des troupes que nous déploierons peut-être au sol demain, regardez ce que nous faisons en Roumanie, nous y avons mis un centre pour protéger le ciel, puisque cela va sans dire que tout ça se tient. Donc autant de sujets et de sous-sujets sur lesquels nous souhaitons évidemment pouvoir rentrer dans les détails, pas tellement toujours aujourd'hui, j'en serais désolé, parce que ce n'est pas une audition pour présenter évidemment la copie de la LPM, mais ça vous donne aussi les niveaux d'ambition, ce qui explique aussi la construction budgétaire telle qu'on vous la présentera, puisque si je cite le spatial, l'innovation, les drones, la défense solaire, le cyber, on pourrait également évidemment parler de nos stratégies en matière de renseignement, rien qu'en citant ces thèmes-là, vous êtes sur plusieurs dizaines de milliards d'euros sur ces seules fonctions, sur l'enveloppe des 413 milliards en l'espèce, qui a été présentée vendredi par le président de la République. Donc quand on commence à les reprendre par morceaux, par fonction, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on retombe sur des sommes, sur des paquets à 5 ou 10 milliards d'euros par fonction. Et évidemment, ça va très, très vite. Je ne veux pas qu'on oublie dans cette LPM... ce qu'on appelle réparation, mais enfin, il y a des choses qu'il faudra sans cesse réparer. Tous ceux qui ont été maires ou présidents de département le savent très bien. Les infrastructures méritent un entretien permanent. Ça va être un des efforts importants aussi de la LPM. On a eu des débats dans l'hémicycle sur le SCA, sur le SSA, sur les infrastructures. D'autres sont revenus sur le MCO, qui donc en creux aussi pose la question de la disponibilité des matériels et aussi du niveau d'activité que l'on attend. Bon, ça, ce sont des lignes qui vont être en forte augmentation, évidemment, dans la copie que je vous présenterai au mois de mars-avril. Je pense que l'effort sur les infrastructures, il est clé. Je pense qu'on a aussi, mais j'y reviendrai dans un instant, des efforts à faire de simplification au sein du ministère dans la conduite de ces projets. Je suis quand même frappé de voir qu'il est parfois plus facile de construire un quai de SNLE que de construire la cantine des sous-mariniers dans lequel nos sous-mariniers iront manger. Bon, c'est ainsi. Donc je n'en tire aucun reproche pour les équipes qui font un travail remarquable, mais c'est le rôle du politique et du ministre singulièrement que d'apporter aussi des solutions de simplification avec quelques décisions, évidemment, sur cette affaire. Je pense aussi que, je le disais, il est important de questionner aussi et je serais heureux aussi d'entendre les contributions de chaque formation politique sur cette affaire, c'est aussi qu'est-ce qu'on souhaite faire seul, qu'est-ce que l'on souhaite faire à plusieurs. Alors je sais que les questions liées à l'OTAN ou à l'Union européenne ne sont pas toujours consensuelles, mais enfin, la France n'est pas une île, et d'ailleurs, si on la veut puissante, par définition, on ne peut pas la souhaiter isolée. Donc là aussi, je pense que c'est un sujet clé. Qu'est-ce que l'on apporte à nos alliés? Qu'est-ce que l'on attend de nos alliés? C'est clé pour le capacitaire. On pense toujours beaucoup, très vite, SCAF, etc. Enfin, on peut aussi très vite regarder les coopérations en matière maritime. On voit bien qu'on a un agenda de sécurité en Méditerranée important à tenir, que c'est un espace qui va devenir parfois tendu, parce que lutte contre l'immigration, parce que fonds sous-marins, câbles sous-marins, parce que trafic en tout genre, parce que évidemment présence russe qui tend parfois à entretenir des difficultés d'accès ou des dénis d'accès dans les eaux qui sont libres normalement de circulation. Bon, on voit bien que la Méditerranée est un enjeu de sécurité pour nous autres. Bon, bah là aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les Italiens? Qu'est-ce qu'on fait avec les Grecs? Qu'est-ce qu'on fait avec les Chypriotes? Qu'est-ce qu'on fait avec les Espagnols? Dans une autre mesure, qu'est-ce que l'on fait hors Union européenne avec les Algériens? Ce sont autant de sujets qui doivent aussi nous faire réfléchir à notre modèle de marine. Je donne cet exemple-là, mais je pourrais évidemment le déployer sur d'autres sujets. En tout cas, il faudra évidemment regarder cette affaire avec beaucoup de précision et que chacun dise aussi quelles sont les alliances qu'il souhaite entretenir, puisque ça donnera aussi le format d'armée. Alors, le travail continue. Évidemment, un projet de loi qui n'est pas encore complètement stabilisé, déjà parce que je souhaite un large tour de piste avec la BITD, avec nos entreprises. J'ai commencé à pré-arbitrer sous l'autorité du président de la République des cibles capacitaires,
à un niveau qu'on pourrait dire brouillon, V0 en quelque sorte, pour permettre à la DGA de rentrer en discussion avec nos industriels. Bon. Nos industriels font partie de notre modèle de souveraineté. Alors, on dit les années 60, la dissuasion, le modèle d'armée. Enfin, il y a aussi des entreprises. C'est-à-dire, pour ne pas être condamné à acheter à Moscou, Pékin ou Washington, il faut donc pouvoir acheter à Paris. Pour acheter à Paris, il faut donc avoir une BTD avec évidemment un savoir-faire important, mais enfin aussi des coûts qui sont soutenables pour nos finances publiques et pour notre armée, puis aussi des délais, qui devient un sujet évidemment particulièrement criant, parce que l'aide à l'Ukraine a évidemment réveillé aussi ce sujet dont on se dit, bah oui, en cas d'attrition très forte de nos matériels ou de nos munitions, comment on fait pour très très vite recompléter les stocks? C'est les questions que vous m'avez à juste titre largement posées sur les canons César. Je note que Nexter a fait des efforts importants. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je souhaite que la DGA puisse faire un large tour d'horizon pour traiter un certain nombre de sujets. Le premier, c'est effectivement comment les industriels regardent la gestion de leurs stocks dans les années qui viennent. Les industriels nous ont dit, pour définir les stocks, il faut qu'on ait de la visibilité. Bon, 413 milliards d'euros avec un rapport annexé et une liste d'équipements que le Parlement votera, que vous amenderez peut-être aussi sans doute, mais enfin, en tout cas que la représentation nationale va voter. Je connais peu d'entreprises qui disposent de 5 ans de visibilité avec un texte légal et une enveloppe. Bon, maintenant, il faut la visibilité, elle est donnée. Alors, bon, il y a toujours ceux qui diront c'est pas assez, c'est pas suffisant, etc. Bon, enfin, en tout cas, la réalité, c'est que cette visibilité, elle est donnée, puis elle n'est pas à la baisse. Donc ça doit quand même déjà susciter une forme d'enthousiasme. Bon. Deuxième des choses, au-delà des stocks, capacité à sincériser les délais de livraison. C'est clé parce qu'on a aussi une courbe à tracer. Il y a l'augmentation, mais il y a aussi le rythme de cette augmentation année par année, au moment où je vous parle, évidemment, pas de chiffres à donner, parce que c'est aussi la capacité à produire et à livrer. La commande, c'est l'autorisation d'engagement. Le crédit de paiement et le versement de ce crédit de paiement, c'est la livraison du matériel dans nos armées. Donc ça, c'est un des casse-têtes de la programmation. C'est aussi de s'assurer qu'on a bien un rythme de production qui correspond aussi au rythme de livraison attendu. Et ça nous permettra évidemment d'affiner la copie budgétaire. Ce qui est vrai également aussi pour la négociation des prix unitaires, lorsqu'on achetait moins de matériel, c'était pas forcément une situation où l'État était en position de force pour négocier quelques prix. Dès lors que vous prenez certains segments capacitaires et qu'on va peut-être en acheter plus que ce qu'on aurait imaginé ou ce qui était prévu, bah évidemment, moi, je vais demander à la DGA de rentrer dans une phase de négociation pour réduire un certain nombre de prix unitaires de ces équipements. Et puis, enfin, dernier point, stratégie d'exportation. Je rappelle que depuis les années 60, notre modèle de BITD, même si je sais que ce sujet n'est pas toujours consensuel là aussi, mais ce modèle de BITD repose aussi sur une part de succès à l'export. Bon, et donc de capacité aussi pour la France et les Français de faire rayonner aussi le savoir-faire et pas que de créer de l'emploi et de la richesse. Et Dieu sait que c'est important de créer de l'emploi, mais aussi pour être en situation d'être aussi en soutien en quelque sorte dans notre diplomatie. Et je note que dans l'Indo-Pacifique, je suis rendu en Inde, en Indonésie, aux Émirats Arabes Unis, aussi notre diplomatie d'alliés mais non alignés crée aussi un intérêt profond pour la plupart de nos partenaires, y compris sur des segments capacitaires qui vont venir aussi nous aider à venir stabiliser un modèle économique. En tout cas, le mois de février est assurément le mois de l'économie de guerre. Je crois comprendre par les questions que les journalistes me posaient que nos amis industriels attendaient un peu de concret, bah, ces choses faites. Ils vont l'avoir en la personne d'Emmanuel Kiva et de Thierry Carlier. Et donc, c'est évidemment une bonne chose. L'autre champ de travail, évidemment, c'est le budgétaire et le normatif. On va continuer de le travailler, mais je répondrai à vos questions. Et puis enfin, évidemment, il y a une copie ressources humaines, RH, qui est importante, parce qu'il ne faut pas... Souvent, dans les LPM, le capacitaire peut très vite tout absorber. Or, on le sait, notre modèle d'armée, s'il fonctionne, c'est aussi parce qu'évidemment, il y a des spécificités de ressources humaines dans le modèle d'armée. C'est vrai de nos écoles, c'est vrai du système aussi en flux, évidemment, de nos armées. Et donc, c'est tout ce qui a été évoqué autour du plan famille, évidemment, autour de la gestion des dossiers de nos blessés, sur lesquels, évidemment, il faut avancer. Mais on voit bien qu'il faut aller au-delà. Ça pose aussi désormais des questions sur certains métiers de fidélisation, parce qu'on voit bien que sur certaines fonctions, notre jeunesse est contente de venir rentrer au ministère des Armées, mais malheureusement ne reste pas suffisamment longtemps pour donner à notre institution toute leur force sur la durée. Donc ça, c'est évidemment un des dossiers qu'il faudra travailler. La réserve, qui va quand même être un changement. Je vois bien la manière dont le sujet réserve est traité. Donne l'impression que c'est juste pour augmenter le nombre de réservistes. Non.
nous serons dans une armée dans laquelle vous aurez un ratio de 2 points, 2 actifs pour 1 réserviste, vous serez dans une modification profonde de l'organisation des choses. Quand on imaginera les missions opérationnelles ou, le cas échéant, les OPEX, avec aussi un ratio de réservistes en son sein, c'est une modification douce, lente, agréable, plus agréable pour l'armée de terre que ce qu'elle a pu connaître dans les années 60, c'est une évidence, mais ça va être une modification quand même du modèle d'organisation des armées. Donc à la fois on convoque les forces morales, mais enfin on va aussi réinterroger tout doucement ce modèle d'organisation dans lequel on va s'appuyer aussi sur les réservistes opérationnels, officiers comme sous-officiers, mais aussi hommes du rang. Et ça, évidemment, c'est un point aussi très, très important sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Et tout dernier point, et je me tais, je lancerai en parallèle un chantier de simplification important au sein du ministère. J'ai déjà eu l'occasion de le dire pour l'économie de guerre et pour la DGA. Je constate que ce ministère n'a... Au fond, il est ni décentralisé, ni déconcentré, mais il n'est pas plus jacobin pour autant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de fonctions qui doivent être jacobines. C'est le ministère des Armées. On comprendra bien que tout doit remonter au chef d'état-major des armées, au ministre. Enfin, une fois plus, c'est l'armée. Et en même temps, on voit bien que sur beaucoup de petites fonctions du quotidien, dans la vie d'un régiment, dans la vie d'une base aérienne ou d'une base navale ou d'un bateau, beaucoup de décisions sont confisquées au chef de corps pour les faire remonter dans une forme de bureaucratie qui me semble, à mon avis, superflue désormais. Donc ça, c'est un mouvement que je vais appeler de mes voeux, que je vais mener en parallèle de la LPM, Monsieur le Président, et d'essayer de faire un choc de confiance et de déconcentration d'un certain nombre de décisions, et donc en repartant des chefs de corps, parce que je reste persuadé que nos colonels et capitaines de vaisseau sont une strate, en tout cas, qui est la plus intéressante à bien des égards dans l'organisation de nos armées, pour travailler à ça. Et je crois que ça fait longtemps que tout le monde en parle. Je sais que le sujet n'est pas que facile à traiter. Mais en tout cas, je veux m'y employer, puisque les sommes que l'on va attribuer à nos armées dans les temps qui viendront n'ont pas de sens si, en parallèle, on ne touche pas aussi aux mesures qui peuvent permettre de débloquer de l'énergie et de recréer aussi de la confiance en masse dans l'organisation et la structuration du ministère. C'est l'éternel dilemme, armée en temps de guerre, armée en temps de paix, on forme le vœu qu'on soit en temps de paix, mais enfin on doit être capable de passer d'un état à l'autre avec beaucoup plus de facilité et d'organisation. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire à titre introductif de cette nouvelle séquence autour de notre loi de programmation militaire. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons prendre les interventions des 10 orateurs de groupe et je vois déjà 18 demandes d'intervention complémentaires. Donc, personne ne voudra aux orateurs de groupe de ne pas totalement utiliser leur temps de parole de 3 minutes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Yannick Chenevard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais d'abord citer Clémenceau qui disait « Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir l'énergie de le faire. » Eh bien, nous y sommes. 295 milliards d'euros, c'est le montant de l'actuelle loi de programmation militaire. Une LPM, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, de réparation de nos armées, qui furent condamnées à toucher les dividendes de la paix durant 30 ans et qui se relèvent depuis 2018-2019. N'oublions pas de rappeler combien son exécution à l'euro relève de l'exploit, de la volonté politique, au regard des années antérieures. Cette LPM est déjà à saluer comme un exploit. Notre BITD a su s'adapter et doit encore le faire. 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030. Qui pouvait imaginer un tel nouveau saut, que dis-je, un bond supplémentaire pour avoir une guerre d'avance? Mais le monde a changé et les empires sont de retour. Monsieur le ministre, nous n'avions pas attendu la guerre en Ukraine pour transformer nos armées, les réparer. Cependant, dans la future LPM, je note plus 60% de crédits pour le renseignement, le doublement de ceux de la DRM et de la DRSD, ou la place centrale de nos outre-mer, par exemple, sont-ils également des enseignements de ce conflit? En doublant quasiment les crédits de la LPM, ce qui va se traduire par de fortes commandes pour notre BITD, quelle place imaginez-vous pour la coopération européenne? Sur quel projet en particulier? Enfin, nos armées ne valent que par celles et ceux qui les servent. 500 millions d'euros ont été consacrés à la NPRM dans l'actuelle LPM. Ils étaient bienvenus. L'avenir passe aussi sans doute par la modification de la grille indiciaire de nos militaires. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ce sera le cas. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget de nos armées, c'est la part que la nation consacre à la défense de notre démocratie afin que tout le reste
tout le reste vive. Pas de démocratie, pas de liberté sans armée puissante. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le député Chenevard. Bon, merci de revenir sur l'exploit, parce que souvent, gâteau avalé n'a plus de goût, donc tout le monde trouve ça normal, et même des gens qui disent, oui, ça devrait être encore plus, à moins de 430 milliards, ça ne vaut pas le coup. Alors pourquoi 430, on ne sait pas très bien. Pourquoi pas 429, 431, bon. Donc c'est toujours un peu curieux, quand même. D'un mot, bon, 413 milliards, je reviendrai sur 413, 400, parce que je sais qu'il y a des questions sur le sujet. Comme l'a dit le président de la République, il n'y a rien de superflu dans la copie. C'est-à-dire que on est déjà sur une copie qui a été compressée, challengée, ramassée. Les lois de programmation sont ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas traiter tous les imprévus. Donc, de toute façon, les parlementaires restent souverains dans chaque loi de finances pour ouvrir des autorisations d'engagement des crédits de paiement. Je le redis parce que la loi de programmation, elle fige une stratégie, mais c'est quand même les lois de finances annuelles qui viennent quand même permettre au gouvernement de faire un certain nombre de choses. Ça, il faut le redire de manière clairement. Deux sous-questions, coopération européenne, NPRM. Bon, coopération européenne, il est très clair qu'on a toujours un enjeu industriel, soit autour d'entreprises que nous avons déjà en partage, parfois, on ne dit pas assez souvent, MBDA avec l'Italie et la Grande-Bretagne. Je me rendrai d'ailleurs à Rome ce vendredi pour parler justement de l'avenir d'MBDA, évidemment des coopérations en matière spatiale qui sont parfois civiles, mais enfin qui peuvent avoir une implication ou un incrément militaire, évidemment des entreprises comme Airbus aussi pour citer qu'elles, et des programmes que l'on connaît, l'occasion de revenir évidemment sur le SCAF, sur le MGCS, etc., qui sont des coopérations qui sont utiles parce qu'elles permettent aussi de rendre absorbable budgétairement un certain nombre d'efforts, comme le redire, notamment sur le SCAF, on pourrait y revenir. Deuxième des choses, je pense que l'esprit de Takuba est quand même un bel esprit et que pour la première fois, la France a emmené en européen aussi des capacités d'intervention en Afrique. Je pense que la question de l'Indo-Pacifique est un des éléments de réflexion que l'on peut faire en européen. En tout cas, moi, je préfère qu'on le fasse en européen qu'au sein de l'OTAN, pour dire les choses très directement, parce que l'Alliance Atlantique est atlantique, elle n'est pas pacifique. Donc je pense qu'on a l'Afrique comme l'Indo-Pacifique sont des sujets. Et moi, je forme aussi le vœu que les parlementaires, dans les interparlementaires avec les autres puissances européennes, puissent traiter de ces sujets, parce que c'est absolument clé. Troisième sujet, l'aide à l'Ukraine, qui reste d'actualité. On voit que la facilité européenne de paix que nous avions imaginée sous présidence française, qui était plutôt consacrée à l'Afrique initialement, aujourd'hui évidemment permet d'aider massivement l'Ukraine. On a aussi un outil qui nous permet de traiter ça en européen. Donc autant de sujets, soit par des instruments budgétaires, soit par des instruments ou des coopérations industrielles ou des entreprises, soit par de l'opérationnel. D'ailleurs, Takuba, ça repose la question EUTM pour la formation, initiative européenne d'intervention. Il y a des objets concrets et donc il ne faut pas les balayer d'un revers de main. Et évidemment, ils sont dans la copie. NPRM, d'un seul mot, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a l'indiciaire, point d'indice. Il y a l'indemnitaire. Les 500 millions d'euros étaient évidemment les bienvenus. Et on continuera évidemment de travailler sur le chantier indemnitaire, je précise bien indemnitaire, dans la copie LPM. Voilà en quelques mots. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Laurent Jacobelli. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué lors des vœux aux armées. Le président de la République a livré quelques pistes sur la future loi de programmation militaire. Il y a d'abord un objectif, transformer nos armées et des moyens pour le faire. 400 milliards ou 413, si on prend en compte la revente d'une partie du patrimoine de l'armée. 413 milliards, c'est une belle somme, il faut le reconnaître. Une somme qui apporte de notre part un certain nombre de questions, monsieur le ministre. Tout d'abord, nul ne saurait ignorer l'inflation record que nous subissons, l'explosion du coût des matières premières. Et ma première question sera celle-là. Comment avez-vous intégré dans ces 400 ou 413 milliards le suivi de cette inflation et comment réagir si jamais les choses ne s'amélioreraient pas. De plus, ce budget est conséquent, il faut maintenant l'employer, et d'ailleurs la question est-il employable ? Parce qu'en effet, on a évoqué notre industrie de défense, notre BITD, qui a beaucoup souffert des baisses d'investissement il y a quelques années, de pertes de contrats à l'étranger. Mais il va falloir derrière qu'elle produise et qu'elle produise en quantité. Êtes-vous sûr que tous les moyens sont mis à disposition, et vous nous rassurerez peut-être, monsieur le ministre, pour être capable de délivrer ? Il faut anticiper, donner des objectifs à long terme, mais aussi et surtout préserver nos fleurons nationaux.
parler de souveraineté, j'en parle aussi volontiers. Et excusez-moi de le dire, mais ce gouvernement qui est prêt à mettre 400 milliards sur la table, et nous nous en félicitons, est aussi celui qui a laissé passer une entreprise, par exemple, comme Exxelia, dans les mains des Américains. Exxelia, qui, je le rappelle, est fournisseur de nombreux composants pour nos industriels de défense. Relocaliser notre industrie, c'est bien. La relocaliser en France, monsieur le ministre, vous l'avouerez, c'est mieux. 400 milliards, c'est précieux et vous allez probablement continuer à vouloir développer des programmes avec d'autres pays. Pourquoi pas si c'est utile, mais si c'est idéologique, il ne le faut pas, parce que ces projets, sinon, n'aboutiront pas, aboutiront tard ou aboutiront mal. Et j'aimerais à nouveau évoquer le SCAF ou le MGCS ici. Enfin, et mon collègue Chenevard l'a dit, ces 400 milliards doivent aussi servir aux hommes et aux femmes qui servent notre nation. L'actuelle LPM que nous regardons avec beaucoup d'intérêt et de curiosité a montré certaines réussites et certaines faiblesses. La faiblesse, par exemple, pour fidéliser les talents, pour entraîner, pour former, pour héberger dignement ceux qui donnent leur vie à la défense de la nation. Le matériel le plus performant technologiquement n'est rien s'il n'y a personne en face pour le faire fonctionner. Là aussi, si vous pouviez nous donner quelques éléments, nous vous en serions reconnaissants. Et enfin, pour terminer, monsieur le ministre, 400 milliards, c'est une chance, mais c'est aussi un défi. Ce défi, vous ne le réussirez pas seul. Et ce défi de la souveraineté, de l'attractivité, du souffle patriotique, vous devrez impliquer le Parlement, probablement plus que ça n'a été fait. Et je vous demande enfin si ce copilotage avec le Parlement, notamment en cas de changement d'investissement ou de voilure, vous êtes prêt à le faire avec nous. Merci, monsieur le ministre. Merci, cher collègue. Alors, peut-être pour les prochaines questions, si vous pouvez peut-être concentrer un peu les questions, puisque le ministre ne dispose que de quelques minutes pour répondre, et même s'il a l'esprit de synthèse très aiguisé, est impossible, nul n'est pas tenu. Oui, c'est un match de tennis, là. Plusieurs choses. Un, bon, déjà, c'est 413 milliards de dépenses militaires. 400 milliards d'expression de besoins de recettes budgétaires, pour être précis. Donc, la copie en dépenses militaires est 413 milliards. Deux, les recettes extra-budgétaires, contrairement à, et peut-être contre toute attente, et moi-même j'en fus le premier surpris, pour être honnête avec vous, ce ne sont pas les cessions de patrimoine, figurez-vous, mais c'est le service de santé des armées, par les tarifications à l'acte dans les hôpitaux. Et ce n'est pas du tout négligeable, puisque c'est 3 milliards d'euros sur la période. Donc le service de santé des armées, par définition, a un système de recettes. Pareil pour la DRM qui, ou d'autres services qui tarifient avec certains partenaires de l'imagerie ou des prestations intellectuelles. Donc il se trouve qu'on a repris les taux de ressources extra-budgétaires des périodes précédentes de manière prudente en se disant que c'était... Voilà, je pense que j'y reviendrai dans un instant. L'inflation. Au moment où nous parlons, alors déjà nous sommes bien élevés, donc nous avons évidemment pris les critères de Bercy, ce qui est toujours dans une conversation. Et donc nous avons évidemment établi cette inflation en impact, au moment où nous parlons sur les 413 milliards, un impact autour de 30 milliards. Alors après, l'inflation, on en parle quand elle est mauvaise. Quand elle est bonne, c'est-à-dire négative, personne n'en parlait. Donc moi, je vous propose aussi de faire le vœu devant vous suivant. Un, si l'inflation devait être favorable pour les acheteurs publics dans les années qui viennent, je propose de ne pas faire de bourrage avec des objets qui ne sont pas prévus dans la LPM initialement. Parce qu'on voit bien, quand on a un retournement de tendance, il faut absorber l'effort. Donc ça, je pense qu'il faut l'assumer. Et inversement, si c'est défavorable, il faut se dire en conscience que l'outil report de charge sert à cela, et que ce n'est pas un tabou. Donc, en tout cas, je vois bien qu'on pourrait faire de la politique avec cette affaire, mais enfin, à mon avis, ça n'intéresse personne. Le report de charge n'est évidemment pas un tabou. Et ensuite, vous l'avez dit, retourner devant le Parlement pour demander des crédits nouveaux pour compenser pour un besoin militaire immédiat doit être fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas assez dit, mais c'est ce que j'ai fait devant vous en collectif budgétaire et en PLFR cette année. On a pratiquement réouvert, aide à l'Ukraine, inflation, point d'indice, 1 milliard d'euros en collectif budgétaire. Donc ça, c'est pour vous répondre de manière précise sur les questions liées à l'inflation et sur le fait que moi, je suis favorable à associer le plus possible le Parlement. Voilà, parce que je pense que c'est la condition de l'acceptabilité sociétale et sociale des choix qui sont faits. Si le général de Gaulle a choisi les lois de programmation, c'est aussi pour ça. D'ailleurs, d'autres propositions lui avaient été faites, y compris pour ne pas assumer très clairement la dissuasion devant le Parlement. Il a souhaité que le Parlement se prononce sur la dissuasion. D'ailleurs, pas été déçu du voyage, puisque à l'époque, je vous rappelle que la première loi de programmation militaire a été adoptée par 49-3 par trois fois, que le Sénat a refusé de la discuter. Bref, pour des raisons très différentes. Donc, en tout cas, le général de Gaulle lui-même a voulu aussi le moment de vérité. Moi, je pense que, vu les circonstances dans lesquelles le pays se trouve, avec les menaces telles que nous les connaissons, plus on parle des problèmes de sécurité qui pèsent sur la nation française à l'Assemblée nationale ou au Sénat,
plus c'est une bonne chose et ça permet évidemment de confronter les différentes opinions. SCAF, en 3 minutes, je n'avais pas le temps, mais je le ferai sur une autre question. Stratégie pour délivrer BITD export, je le ferai aussi sur une autre question. Le ministre pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Bastien Lachaud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre exposé liminaire, votre cours d'histoire et votre explication du discours du président. L'Assemblée nationale a été une nouvelle fois méprisée, l'exécutif réservant sa parole à la presse et non aux représentants du peuple français. Vous nous indiquiez votre volonté de co-construire la loi de programmation militaire avec le Parlement. Finalement, le président s'est exprimé seul sur un montant, sans que celui-ci n'ait été débattu nulle part, mis à part dans vos réunions interministérielles. Comme pour la revue nationale stratégique, le président fait des annonces en grande pompe, sans véritable débat au préalable. Les groupes de travail apparaissent crûment comme ceux qu'ils sont. Un affichage de co-construction. Déjà que leur rôle était fort circonscrit, aucune discussion n'était possible, ni sur la doctrine, ni sur le budget. Le roi est maintenant nu. Un exemple, le doublement de la réserve. Nous n'avons pas pu y discuter ni des raisons, ni des objectifs de ce doublement, seulement du comment. Vous avez voulu transformer les parlementaires en agents de la communication gouvernementale. Vous êtes maintenant démasqués. Les députés de la France Insoumise ont décidé de suspendre leur participation à ces groupes de travail et nous userons donc de notre droit constitutionnel à amendement sur ce texte. Nous proposerons également un projet alternatif dans la lignée du programme Défense porté par notre candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Et si cela vous dérange, vous aurez toujours l'opportunité d'utiliser le 49-3 comme Mme Borne en a l'habitude pour faire adopter cette LPM et définitivement bâillonner le Parlement sur un sujet essentiel pour notre pays et nos concitoyens, sur lequel vous auriez pu chercher un véritable consensus. Nous constatons que ce n'est pas votre volonté. Nous serons particulièrement attentifs à la condition de vie de nos militaires, à la revalorisation de la part indiciaire de leur rémunération et à la prise en charge des blessés. Nous porterons des propositions sur le spatial, le cyber ou encore les fonds marins. Nous veillerons à ce que vos décisions de cession d'armement ne pénalisent pas les capacités de nos armées, comme vous l'avez fait pour l'armée de l'air en vendant des rafales à la Grèce et à la Croatie. Nous serons vigilants à ce que nos 3 armées soient satisfaites dans leurs besoins opérationnels, qu'elles aient les moyens de s'entraîner et d'assurer la sécurité de nos concitoyens face aux menaces du monde actuel, y compris celles liées au changement climatique. Évidemment, nous serons intransigeants sur les coopérations européennes en matière d'armement, notamment sur le SCAF ou sur le MGCS, où la nécessité de plans B nationaux semble de plus en plus nécessaire. L'abandon de la modernisation du Tigre est un exemple frappant. Et avant le débat sur la LPM, vous nous trouverez sur votre chemin pour s'opposer à votre soi-disant réforme des retraites qui va frapper les militaires au même titre que l'ensemble de nos concitoyens et face à laquelle le peuple se dressera une nouvelle fois le 31 janvier. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Moi aussi, je suis heureux de vous revoir, monsieur le député Lachaud. Je vous souhaite particulièrement mes bons voeux, mais vous me semblez en forme. Bon, sérieusement, vous faites de la politique et je ne saurais vous en vouloir ou vous le reprocher. Je vous trouve dur et injuste quand vous parlez de Parlement méprisé. Je suis devant vous dans une audition pour un projet de loi qui n'existe pas encore et que je n'ai même pas présenté dans un Conseil des ministres. Bon, donc après le rapport à la démocratie, je lis la presse. Je vois que la démocratie, y compris interne à une formation politique, c'est parfois quelque chose de difficile. Donc c'est un effort permanent et si je peux faire mieux, sachez que je ferai mieux. Deuxième des choses, je suis fort mari et triste de vous voir à chaque fois évoquer les sujets de forme. Alors, aujourd'hui, je mépriserai le Parlement parce que le président aurait, en tant que chef des armées, élu au suffrage universel direct, donné une vision de chef des armées. La dernière fois, en audition, c'était parce que j'étais venu avec trop d'officiers généraux autour de moi. Et donc, vous m'avez interpellé sur ce sujet de forme de l'audition. Et quand je vous ai répondu, d'ailleurs, mais je ne suis pas rancunier, vous étiez déjà parti. La première audition, c'était encore un autre sujet de forme. Mais une fois de plus, je ne vous en veux pas. Donc, je vis ça avec beaucoup de sympathie. Plus que la forme, moi, je forme le vœu qu'on parle du fond. Je pense que les Français ont besoin aussi de savoir et comprendre ce que la NUPES, France Insoumise, propose sur notre dissuasion nucléaire. Je n'ai pas toujours tout compris. Sur, évidemment, notre appartenance à l'OTAN. Ça me semble très compliqué, évidemment, de comprendre notre modèle d'armée si on le dissocie de nos alliances militaires. Dans le train qui m'a emmené de la Pologne vers l'Ukraine, j'ai eu le bonheur de lire votre livre sur la Russie, monsieur le député Lachaud. Il y a maintenant de cela quelques mois que vous avez écrit. C'est intéressant. Et je pense que, puisque vous vous interrogez
interroger sur les coopérations européennes. J'aurai l'occasion, moi aussi, d'interroger les différentes formations politiques sur la relation que vous voyez avec Pékin, avec Moscou, mais aussi, évidemment, avec Londres, Washington ou Berlin. Mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui mérite de faire carte sur table et qu'il y a de la place ici pour parler du fond. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, quel bonheur de voir que le temps des dividendes de la paix et des conséquences catastrophiques qu'elles ont amenées sur nos armées est enfin tourné. 413 milliards, c'est effectivement une somme importante et il serait extrêmement malvenu après ce qu'a été le passé de s'en plaindre. Même si, comme chacun sait, le diable est dans les détails et donc ce seront les détails qui nous permettront d'avoir un avis complet. Vous avez parlé d'un modèle complet, mais pas comme avant. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on ne fera plus comme avant? Évidemment, ce sera le moment de l'évaluer. Pour le moment, je souhaiterais vous interroger sur des sujets budgétaires. 413 milliards. Dans ces 413 milliards, 400 milliards de ressources budgétaires, 13 milliards de ressources extra-budgétaires. Vous avez partiellement répondu à la question sur les ressources extra-budgétaires. Ma question est, si ces ressources sont inférieures à ce qui est prévu, même si apparemment vous avez pris les ratios précédents, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous pensez que cela doit donner lieu à une compensation d'ordre budgétaire? Deuxième question, je reviens sur l'inflation. On sait que sur cette question de l'inflation, on a l'inflation générale que l'on connaît, qui touche la totalité de l'économie. On a une inflation spécifique à l'équipement militaire en raison de la tension sur des matières premières, sur les composants, sur des métaux rares ou sur les coûts de l'énergie. Vous évaluez cette somme à 30 milliards dans la LPM. Est-ce que, indépendamment du vote des annuités budgétaires, vous envisagez d'avoir un système d'indexation, une clause de revoyure, éventuellement une réflexion qui aurait eu tout son sens en euro constant et pas en euro courant? Enfin, autant de questions qui se posent. Donc j'aurais souhaité savoir les réponses que vous apportez à ce sujet. Je ne serai pas plus long. Je veux quand même vous dire que j'ai eu grand plaisir à vous entendre évoquer la verticalité nécessaire de l'ordre hiérarchique, mais aussi la subsidiarité au niveau des chefs de corps. Nos chefs de corps ont beaucoup souffert, nos régiments et nos bateaux aussi. Et si on peut avancer dans ce sens-là, c'est évidemment très positif. Monsieur le ministre. D'ailleurs, sur ce dernier point, merci au député Thériault, évidemment, moi, je suis preneur des recommandations que le Parlement peut faire sur ce sujet, parce que vous vous déployez suffisamment sur le terrain, les uns et les autres, dans les unités, pour capter ici ou là des diagnostics ou des solutions auxquelles, évidemment, je serai évidemment très, très sensible et très heureux de participer. Bon, les questions budgétaires, évidemment, elles sont clés, parce que, alors, dès lors qu'on exécute à l'euro près la LPM, il est clair que plus on emmène l'exigence, et vous avez bien raison de mettre la pression sur le gouvernement sur cette affaire, parce que plus ça tire tout cela vers le haut, plus ça prive aussi certains de dire qu'il manquerait de la visibilité. Donc, au fond, tout ça est quand même très précieux. Bon, je vois plusieurs éléments de sous-réponse à votre question. Bon, déjà, j'ai commencé à le dire, les ressources extra-budgétaires, elles ont toujours existé et elles ne sont pas forcément là où on croit. Alors, je vais être un peu plus précis, mais globalement, on a 3 milliards d'euros sur le service de santé des armées. On a pris tout simplement les dynamiques de la période précédente, des périodes précédentes, que l'on a reposées ici. Peut-être aussi à nous d'être bons pour les optimiser et de faire encore mieux. Vous avez beaucoup de prestations de services. J'ai parlé de la DRM, la DGA aussi quand même, qui fait parfois un certain nombre de services d'essai pour tiers, pour compte de tiers, et sur lesquels évidemment ça donne la facturation. Ce n'est pas le contribuable qui le paie et c'est bien heureux. Les cessions de matériel et les formations qui sont associées. Donc là, on ne parle pas forcément de cessions de rafale, mais tout simplement aussi, parfois, dans nos programmes d'accompagnement et de formation sur certaines armées alliées, bah, on a du vieux matériel qu'on va céder à des tarifs qui sont, en général, qui tiennent compte de l'usure du matériel. Bon, enfin, ça fait quand même une recette en tant que telle. Et puis, jadis, on le sait très bien, il y avait le CAS immobilier. Là, on est pratiquement sur 500 millions d'euros
d'estimation, parce que malheureusement, tout le monde a tout vendu avant, donc il n'y a plus grand-chose à vendre. Donc les choses sont ainsi faites. Il y a ensuite d'autres, dans les 5 milliards potentiels de ressources extra-budgétaires, il y a d'autres variables de négociation, de remise en question aussi d'un certain nombre de contrats passés. Je ne rentre pas dans les détails, mais des systèmes de dividendes sur des situations déjà connues ou obtenues, y compris d'ailleurs sur la dissuasion nucléaire, sur lequel je ne serais pas plus bavard, mais sur lequel on peut peut-être voir avec un certain nombre d'opérateurs à reconditionner un certain nombre de contrats avec des rentes annuelles que l'on peut, le cas échéant, faire diminuer. Enfin voilà, ce sont des sujets évidemment qui sont traités. Sur l'inflation, alors vous avez raison, il y a une inflation générale, une inflation qu'on pourrait dire spécialement militaire. Vous avez cité évidemment les équipements. Bon, c'est aussi la conversation que je veux avoir avec la BITD. Dans beaucoup de cas aussi, vous avez une partie de l'inflation qui est prise par l'entreprise. Donc je pense aussi que ça vaut le coup d'avoir, ça me permet de répondre aussi au député Iacovelli en même temps. C'est dès lors qu'on donne de la visibilité, que l'on va aussi beaucoup accompagner à l'export, en fonction des matériaux, en fonction des programmes, moi je pense aussi qu'il faut sincériser la copie inflation avec l'entreprise dont l'État est client. Personne ne comprendrait, au nom du contribuable, qu'on ne fasse pas cet effort-là. Ça, c'est évidemment clé. J'aimerais également rajouter aussi le carburant opérationnel, parce qu'il est l'autre grande variable dans la LPM sur lequel il est parfois compliqué de faire des projections. L'évolution du baril de Brent, mais aussi l'évolution de l'activité des forces. Il y a l'activité standard qui vaut entraînement. Après, évidemment, il y a aussi l'activité en OPEX, le cas échéant, en mission opérationnelle. Donc la question des carburants fait encore l'objet, évidemment, de discussions en interministériel. Voilà ce que je peux dire en 3 minutes 12. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe démocrate, la parole est à Jean-Pierre Cubert-Taffon. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, chers collègues, notre groupe politique vous remercie d'être présent en ce début d'année 2023. Cette année est d'importance à l'heure où nous allons bientôt nous doter d'une nouvelle loi de programmation militaire dont l'ambition sera d'entretenir nos efforts militaires et de permettre à nos armées de répondre aux différents enjeux militaires et politiques. Les grandes lignes de cette future loi de programmation se dessinent. À l'occasion de ses vœux aux armées, le président de la République a présenté ses grandes orientations et a dit voilà un effort budgétaire, comme on l'a signalé déjà, de 413 milliards d'euros. Monsieur le ministre, vous rappelez vendredi dernier que cette enveloppe constitue une somme historique. Au regard du conflit russo-ukrainien, les armées françaises présentent néanmoins quelques lacunes capacitaires. Je pense aux munitions, aux systèmes de défense solaire ou des missiles de croisière. Enfin, persistent des dépenses intangibles comme la dissuasion nucléaire ou encore des menaces cyber. Monsieur le ministre, comment intégrez-vous les différents enseignements du conflit ukrainien dans les objectifs fixés par cette nouvelle loi de programmation militaire? Le président de la République indique vouloir faire de la France une puissance de premier rang mondial dans le domaine cyber. Comment entendez-vous permettre à la France de renforcer ses capacités en la matière et de concurrencer les puissances mondiales qui dominent ce domaine? Enfin, monsieur le ministre, c'est ma dernière question. Le président a avancé à Toulon en novembre dernier que nos forces nucléaires contribuent par leur existence propre à la sécurité de la France et de l'Europe. À la vue des enjeux qui représenteraient l'adhésion de la Suède à l'OTAN, comment évolueraient les rapports de force entre puissances européennes et comment envisagez-vous notre organisation stratégique de rapport à l'OTAN? Je vous remercie. Ce sont des questions très complètes, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous souhaite bon courage. Non, allez. Questions complètes qui vont donc appeler des réponses complètes. Je vais le tenter. Bon, le cyber mériterait que j'y consacre au moins 3 minutes. Donc je vais essayer d'être discipliné, mais je pense que ça vaut le coup de traiter ce sujet dans le détail. Bon, déjà, la définition du mot cyber mérite d'être faite dans la LPM, parce que sinon, on va traiter tout un tas de sujets qui n'ont pas forcément lien avec le ministère des Armées en tant que tel. Première remarque. Deuxième remarque, on le voit bien, au fond, on a 3 métiers dans le cyber. Protéger, comme on se défend, et là, ce n'est pas qu'un sujet minarme, c'est un sujet aussi de résilience plus globale. Dans votre maison, vous avez, j'imagine, un système d'alarme, vous avez des verrous, des portes, des fenêtres. C'est quoi les portes et les fenêtres de protection des attaques cyber de demain? Donc, qu'est-ce qui relève de la puissance publique, la gendarmerie ou la police? Qu'est-ce qui relève des protections individuelles que vous devez avoir sur vos propres infrastructures? Et n'importe quel maire, chef d'entreprise devra se poser ces questions. Ça, c'est un beau débat, d'ailleurs, pour la Commission de la Défense de manière globale, parce que ça pose aussi la question de la rôle du contribuable et de la puissance publique dans cette affaire, jusqu'où on va. Deuxième sujet. Troisième sujet, après, vous avez quand même des métiers qui dépendent de la puissance publique, et singulièrement du ministère des Armées. L'attribution. Ce n'est pas le tout de savoir qu'un hôpital est attaqué. Est-ce qu'on est capable d'attribuer l'attaque? Acteurs étatiques, acteurs non étatiques, cybercriminalité, cyberterrorisme,
atteinte à la souveraineté par un pays étranger, la capacité tout simplement à dire quel est l'attaquant est évidemment quelque chose d'absolument clé. Ça vaut pour le temps de paix, ça vaut pour le temps de guerre, et ça, c'est évidemment un des points d'effort que je vous proposerai dans la LPM. Et troisième volet, évidemment, entraver. Une fois qu'on a attribué, comment on est capable de faire cesser une attaque en cours, c'est plus compliqué que la protection, comment on est capable de retourner cette attaque et d'y mettre fin. Voilà, si je devais résumer la doctrine sur laquelle on vous proposera des choses dans la LPM, c'est ça. Derrière, ça donne lieu des chantiers. Il y a évidemment un chantier technologique qui est un métier sans fin parce qu'évidemment, il faut sans cesse innover, sans cesse remettre à jour. Il y a aussi beaucoup de porosité avec le cyber civil. On ne peut pas complètement déconnecter, évidemment, ce que font les fournisseurs d'accès Internet, les différents aussi leaders du monde de la téléphonie mobile. Donc, il y a évidemment une porosité entre les différents milieux. Puis, il y a un chantier RH. Quand on parle de fidélisation de nos personnels, il est évident que là où l'attrition est la plus forte au ministère des Armées au moment où je vous parle, c'est sur les métiers cyber, sur lesquels les jeunes femmes et jeunes hommes qui viennent travailler au ministère des Armées en première expérience professionnelle sont fiers d'acquérir sur leur ligne de CV le ministère des Armées, et très très vite derrière, au bout de 4 ou 5 ans, se font débaucher dans le secteur privé pour des sommes somme toute alléchantes, et je ne peux pas leur en vouloir. Donc le chantier de la fidélisation, le chantier RH autour de la cyber va être extraordinairement clé. Après, vous avez des fonctions militaires plus spécifiques, on y reviendra, sur lesquelles moi je souhaite que l'armée de terre soit leader de cette affaire, la guerre électronique, comment on a des régiments qui se spécialisent, une forme d'infanterie cyber en quelque sorte de demain. Donc là, le chef d'état-major de l'armée de terre sous l'autorité du SEMA a reçu quelques commandes en la matière, parce que c'est évidemment l'armée de terre, pour des raisons évidentes, qui peut emmener l'ensemble de notre modèle d'armée sur cette affaire-là. Dissuasion, en quelques secondes, ça me semble compliqué. Néanmoins, plus que jamais, elle est utile. Plus que jamais, elle protège nos intérêts vitaux. Et plus que jamais, chaque génération de décideurs doit prendre les bonnes décisions pour la génération qui suit. Puisqu'au fond, les instruments de la dissuasion d'aujourd'hui sont plutôt des décisions d'hier avec des décisions de financement d'avant-hier. Et donc, les décisions que vous apprêterez à prendre dans cette programmation militaire, SNLE 3G, enfin, l'ensemble des différents programmes que vous connaissez, c'est pour au-delà de la législature et de la LPM, bien souvent. Mais donc, la dissuasion mérite toujours ce temps de réflexion à 5, 10, 15 ans. Et je me réjouis que le président ait choisi de faire un cycle dédié d'auditions sur cette affaire, parce que ça doit aussi nous permettre d'avoir une culture stratégique commune qui permet aussi de mieux comprendre les sommes que nous déployons. Après le rétex Ukraine, je pense qu'on y reviendra en commission dédiée, mais évidemment munitions, évidemment soutien, évidemment logistique, évidemment renseignement, évidemment cyber, bref, beaucoup de sujets. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, effectivement, reconnaissons que l'effort budgétaire était nécessaire et nous l'avons d'ailleurs à plusieurs reprises souligné ici, notre groupe l'a souligné. Les dernières annonces relatives à la future loi de programmation militaire se font une nouvelle fois l'écho d'un effort d'adaptation permanent en ces temps de guerre. Toutefois, plusieurs points nous interrogent à propos des annonces présidentielles. Premièrement, évoquer l'idée d'une économie de guerre ne suffit pas à faire oublier les défis auxquels nous sommes confrontés s'agissant des conditions de possibilité et de soutenabilité des demandes faites à nos industriels, auxquels vous signalez leur manque d'anticipation et de prise de risque dans une interview accordée à Usine Nouvelle. Comment gagner les futures guerres quand la guerre présente perturbe l'acheminement et provoque une pénurie de matières premières et de composants pour nos industriels et que la main-d'œuvre dans ce secteur manque, comme vous le reconnaissiez vous-même en juillet dernier? Deuxièmement, si l'augmentation budgétaire de nos armées est à saluer, qu'en est-il concrètement dans la réalisation de ces nouvelles missions? Brandir le pivot de la haute intensité signifie-t-il la perte de la projection de nos armées comme savoir-faire français reconnu? Sommes-nous en capacité de maintenir cette compétence tout en transformant nos armées au regard du retour de la confrontation territoriale en Europe? Nos forces sont aussi des forces employées et les temps de formation s'allongent du fait de matériel plus complexe et le nombre de jours de préparation ne peut pas augmenter de manière très importante. Aussi, si la LPM mentionne le rôle des armées dans la lutte contre le dérèglement climatique, pourriez-vous apporter des éléments de précision sur cette mission et les moyens mis en place pour la réaliser? Et enfin, cette guerre d'avance invite à réfléchir sur le rôle que souhaite avoir la France dans l'Union européenne, ainsi que le projet européen de défense qui en découle. S'agit-il de se coordonner ou bien de prendre un éventuel leadership sur une éventuelle défense européenne? Si une coalition européenne de défense voyait le jour,
quelle mission au regard de celle attribuée aujourd'hui, que nous attribuons aujourd'hui à l'OTAN, ou en tout cas, quelle maîtrise nous aurions sur ces aspects de coordination avec l'OTAN? Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup, madame la députée. BITD, j'ai déjà en partie répondu. La question des stocks, elle est clé. Et moi, je vous le redis, des entreprises qui ont des marchés potentiels à l'export doivent prendre des risques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un secret de polichinelle de dire que le canon César, visiblement, connaît une forme de succès. Donc, on ne peut pas demander le même risque à une entreprise sur un objet qui a du succès à l'export que, évidemment, sur un matériel qui ne connaît pas le succès à l'export ou qui n'a pas vocation à être exporté. C'est évidemment l'exemple évident du SNLE dans l'interview que vous avez cité. Mais je pense que c'est sain d'avoir une BITD athlétique. Je pense que c'est ce que l'on doit aussi aux armées, mais c'est ce que l'on doit aussi aux contribuables. Donc je le dis parce que je suis le ministre de la BITD, donc par définition, mon propos n'est que bienveillance. Mais je pense que c'est l'exigence aussi qui fait la bienveillance et qui fera aussi qu'on protégera cette BITD pour les années qui viennent. Est-ce qu'on est capable de se dire, droit dans les yeux, que notre modèle de souveraineté industrielle, il est protégé pour les 50 années qui viennent? Non. Et donc, on fait ce que l'on peut avec, évidemment, cette augmentation budgétaire importante. Vous avez cité vous-même des défis sur la main-d'œuvre, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas propres, d'ailleurs, à l'industrie d'armement. Ça dépasse, évidemment, au-delà de ce secteur. Mais il est évident que il ne faut pas que le système de programmation conduise à éteindre toute forme de prise de risque. Je le dis comme je le pense. C'est ce que nos grands anciens ont demandé à la BITD et c'est ce que je vous propose effectivement de continuer à faire parce que c'est absolument clé. Sur ensuite l'ensemble de vos sous-questions, je pense qu'effectivement, à 413 milliards d'euros, c'est-à-dire avec un effort capacitaire important, plus notre dissuasion, plus effectivement ce modèle d'armée qui est une armée d'emploi, qui a des capacités expéditionnaires énormes dans les airs, en mer et évidemment sur la terre, qui est une armée qui prend soin de ses blessés, des familles, de ses tués. Enfin, je veux dire, on vient de loin historiquement. Donc tout ça participe évidemment à l'épaisseur aussi de ce que nous sommes en modèle d'armée de manière identitaire. Il est évident que ça nous conduit à être leader, à devoir et pouvoir être leader. Quand je dis dans Le Monde ce week-end que c'est ce qui nous permet de rester une puissance mondiale, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que sans cet effort-là, je pense que malheureusement, on connaîtrait un déclassement. Déclassement parce qu'on n'investirait pas le cyber, on n'investirait pas le spatial. Déclassement parce que on voit bien que le modèle d'armée emploie de plus en plus de numérique et de technologie sur le terrain. Je veux dire, il suffit de regarder Scorpion pour voir qu'en 10 ans de temps, tout ça est spectaculaire. Donc je pense que vous avez raison de souligner ensuite la... Qu'est-ce que ça doit vouloir dire sur la coopération et la coordination entre Union européenne et OTAN? Ça, je pense que c'est un sujet qui est absolument clé. Je l'ai dit au détour d'une phrase tout à l'heure sur Afrique et Indo-Pacifique. C'est vrai sur d'autres sujets. Être nation cadre, c'est une capacité à emmener les autres. Si on est capable de le faire dans le cadre de l'OTAN en Roumanie, c'est qu'on est capable de le faire dans d'autres formes de coalition et sur d'autres secteurs, y compris hors OTAN. Et c'est pour ça que j'ai cité Takuba tout à l'heure à la question qui m'était posée. Et ça, pardon, c'est le... Et d'un mot, pardon d'exposer le temps, Monsieur le Président, c'est le vrai grand retour d'expérience, non pas de l'Ukraine, mais de la première guerre du Golfe, dont on va enfin solder cette affaire-là. Première guerre du Golfe, on n'est pas indépendant et on n'est pas autonome en matière de renseignement. On dépend largement de nos alliés. La décision que prend le président Mitterrand, c'est évidemment la DRM, et on va y revenir, mais le renseignement va continuer de faire l'objet d'un effort concret. Guerre du Golfe, on est présent dans pratiquement aucun état-major à haut niveau, et les missions opérationnelles qui sont confiées à l'armée française sont des missions, ne le prenez pas mal, mais qu'on pourrait dire d'un second rang, en tout cas qui n'était pas dans le cœur de l'action, pour dire les choses très clairement. C'est pas une situation dont on peut se satisfaire. Là, il est clair que ce qu'on va vous proposer au mois de mars-avril permettra justement, durablement, d'emmener les autres à tous les étages, sur du soutien, sur de l'état-major, sur une capacité logistique. Ça ne veut pas dire qu'on saura tout faire nous-mêmes, pas la prétention d'être un niveau corps d'armée autonome. Enfin, d'ailleurs, pourquoi faire, avec qui, pour quelle mission, ça n'aurait pas de sens. En tout cas, il est clair que cette capacité à être leader, elle est aussi un des gages de notre sécurité, parce que bien souvent, un certain nombre de nos intérêts peuvent se traiter, évidemment, à quelques centaines de kilomètres de l'Hexagone, voire plus, y compris outre-mer. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Horizon, la parole est à Yannick Favennec-Becco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans l'entretien que vous avez accordé au Monde, en marge des annonces du Président de la République à Mont-de-Marsan, vous reveniez à la fois sur la question des relocalisations de notre industrie militaire et la possibilité d'acheter sur l'étagère certains armements auprès de nos partenaires.
Vous insistez sur le fait que les achats sur l'étagère ne doivent pas être un tabou dès lors qu'il y a des conditions et que cela reste l'exception. Vous indiquez notamment que l'urgence est l'un des critères justifiant l'achat d'armement directement opérationnel. Nous l'avons fait pour les drones et nous avons notamment passé commande de 6 drones Reaper américains en 2021. Toutefois, si l'enjeu de relocalisation de notre BITD venait à se confirmer dans une prochaine LPM, pourriez-vous nous préciser les critères, les conditions autres que l'urgence qui viendraient justifier ces achats à l'étranger ? Cela est d'autant plus important que les drones occupent une importance que nous connaissons tous dans les nouveaux développements technologiques souhaités par le président de la République dans les prochaines années. Alors en attendant, l'Eurodrone, dont le programme de développement a commencé en 2016 avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, peut-on s'attendre à des commandes similaires à court terme ? Et j'ai une autre question, si vous me le permettez, qui porte sur la dissuasion et sur le nécessaire effort de communication auprès de l'opinion en raison de l'effort budgétaire significatif qui y sera accordé. La LPM prévoit-elle, j'allais dire, un volet pédagogique pour expliquer la dissuasion et l'arsenal français à nos concitoyens et davantage expliciter l'articulation entre nos forces conventionnelles et les forces nucléaires ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Ouais, merci beaucoup, monsieur le député. Moi, le principe, c'est qu'on achète français, parce que ça fait partie du modèle aussi de souveraineté, d'autonomie stratégique. Il n'y a pas de doute. Je vais même plus loin, c'est souvent méconnu, mais vous avez même des capacités produites par la BITD française qui ne sont pas achetées par l'armée française. Le VLMICA ou les Godwin, pour donner cet exemple-là, sont de bons exemples de produits à l'export, mais que la marine n'a pas de Godwin. Pour autant, Naval Group exporte des Godwin. Bon, ça, c'est un exemple, mais ça dit aussi que l'inverse est possible. Je le dis parce que souvent, on ne le dit pas assez. Trois, ça doit vraiment rester l'exception. En clair, on l'a fait pour les Reaper. Je ne reviens pas sur la saga des drones, vous l'avez dit, et vous avez vous-même signalé quelques programmes qui vont être la solution dans les temps qui vont venir. C'est vrai parfois des frappes en profondeur. Regardez, le LRU dont on a beaucoup parlé, parce que nous en avons donné à l'Ukraine, le LRU n'est pas de marque française. Et d'ailleurs, le remplaçant du LRU, c'est plutôt le HIMARS, qui n'est pas non plus français. Donc, il y a toujours eu des exceptions. Il y a toujours eu des exceptions depuis le début de la Ve République. Mais dès lors qu'elles sont contenues à l'exception, ça doit être évidemment la norme, étant entendu que je n'identifie pas beaucoup d'exceptions dans la période qui vient, pour être complètement honnête avec vous et vous rassurer. Donc les choses vont bien. Dissuasion et pédagogie. C'est pour moi très important. Il y a un discours présidentiel par quinquennat. Le président, vous l'avez noté, il est revenu au final un peu plus, parce qu'il y a eu l'école de guerre. Il est revenu sur la dissuasion à Toulon. Il est revenu sur la dissuasion à Mont-de-Marsan vendredi dernier. Donc lui-même accélère sa prise de parole sur la dissuasion nucléaire, alors que jadis, on était sur un discours cadre pour l'ensemble du septennat ou du quinquennat et circulé, si j'ose dire. Là, il est clair que je pense que nos opinions publiques ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, que notre doctrine, elle est purement défensive. En aucun cas, elle ne saurait être agressive, que notre doctrine, elle protège nos intérêts vitaux, qu'elle rentre dans des critères qui sont très précis, menaces étatiques, attribuables. Enfin, là, je ne fais que paraphraser le discours du président. Mais je pense que sur la base du discours du président, parlementaires ou membres du gouvernement, on doit effectivement être capable d'expliquer ce que ça veut dire, quel est l'héritage gaullien en la matière, quelles sont les deux composantes. Enfin, bon, après, il y a une dimension qui sont évidemment plus confidentielle, plus secrète, mais en tout cas, la doctrine, la manière dont ça fonctionne est évidemment quelque chose qui participe à notre souveraineté, qui doit trouver l'adhésion de nos concitoyens et des contribuables aussi, évidemment, pour financer cet effort. En tout cas, je pense que moi, je suis frappé de mes tournées européennes. Quand on se déplace en Grande-Bretagne ou sur le sol national français, on a des populations qui sont inquiètes de ce qui se passe en Ukraine et ce qui peut se passer avec la Russie. Quand on va en Allemagne, quand on va en Pologne, quand on va en Hongrie, quand on va en République tchèque, on a des opinions publiques qui sont plus qu'inquiètes, qui ont peur. Parce que pour le coup, nous aussi, nous avons quand même intégré inconsciemment la dissuasion comme étant évidemment un des grands éléments de protection. Et pour cause, c'est le cas. Mais il est clair qu'il faudra aussi faire cette pédagogie-là. On pourra y revenir dans le cadre de la programmation militaire. En tout cas, le président de la République souhaite qu'il y ait une union
la plus large possible autour de cette question de la dissuasion. C'est ce que nous devons aussi aux grands anciens qui ont pris les bonnes décisions et c'est ce qu'on doit aux générations futures. Pour le groupe écologiste, la parole est à Cyrielle Châtelain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la guerre en Ukraine a mis en avant nos lacunes dans plusieurs domaines. Munitions, artillerie, systèmes d'information et de communication, renseignements. Plus encore, et ça a été dit, elle a mis en évidence la faiblesse des stocks. Il y a donc des besoins. Cependant, l'importance de l'augmentation budgétaire annoncée nous questionne, notamment dans une période de crise sociale et de crise climatique. Pour les écologistes, la solution pour assurer notre sécurité dans un cadre budgétaire durable est de s'appuyer davantage sur l'Europe. On pourrait penser par exemple à des achats conjoints au niveau européen ou à la création d'une chaîne de production militaire européenne, ce qui serait assez révolutionnaire. Mais les Européens produisent 178 systèmes d'armes, alors qu'aux États-Unis, nous en comptons 30. La Commission estime qu'on peut économiser entre 25 et 100 milliards d'euros par an par une meilleure coopération des États européens. Et à ce stade, on a quand même un regret sur l'ambition, en tout cas affirmée par le président, sur ce sujet de mutualisation et de coopération européenne. De même, cette augmentation budgétaire nous questionne alors qu'on assiste à une réforme du corps diplomatique qui vient couronner des années de baisse drastique de budget. Ayant pour objectif commun la paix, pensez-vous que celle-ci soit atteignable si la politique française ne fonctionne pas sur ses deux jambes, défense et diplomatie ? Enfin, j'aimerais savoir si cette LPM comprend des budgets pour l'universalisation du SNU. Si oui, quel montant cela représenterait, dans quel objectif? J'avoue que j'étais assez quand même interrogée, voire interpellée du fait que le SNU soit évoqué juste dans la suite de l'augmentation de la réserve et avec des propos du type « disposer d'une jeunesse parée à tous les périls ». Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Si vous êtes déçu, je vais tenter de vous rassurer sur les mutualisations européennes. Tout à l'heure, le député Kobi disait que les coopérations seraient dogmatiques ou idéologiques. Non, je pense que, pour le coup, votre approche comptable, mais au sens noble du terme, de se dire qu'à plusieurs, on peut faire diminuer l'addition, la Commission, le commissaire Breton a documenté ça, c'est une réalité. Cette phase dite 1B du SCAF, qui est la phase que les industriels vont mener avant dite la phase 2, qui va être la phase de production, cette phase 1B, quoi qu'il arrive, il nous aurait fallu la faire. La faire avec... en franco-allemand et avec les Espagnols, qu'on oublie trop souvent dans cette affaire, c'est évidemment aussi s'assurer d'une soutenabilité budgétaire du programme. Et j'aurai, je l'espère, quelques bonnes nouvelles annoncées sur le SCAF aussi dans les temps qui viendront, madame la présidente, sur d'autres pays qui commencent à voir que le programme avance et qui veulent le rejoindre. Donc là aussi, je pense qu'il faut être persévérant sur cette affaire-là. Là où vous avez raison, c'est qu'il faut continuer de soutenir les instruments d'achat. Vous savez, dans la présence française de l'Union européenne à Versailles, les instruments d'achat communs et d'IRPA, etc., ont été imaginés. Je pense qu'il faut les faire vivre, être capable d'avoir... L'OCAR permet déjà de faire des choses en matière d'innovation. En tout cas, il faut le forcer parce que sinon, nous sommes condamnés de toute façon à acheter sur étagère aux États-Unis ou ailleurs. Donc le faire en européen, c'est l'assurance d'une souveraineté, c'est de fixer des emplois et de la richesse sur le territoire, c'est un meilleur bilan carbone et c'est aussi faire diminuer la facture parce que mutualisation. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut persévérer sur cette affaire-là. Deux jambes, diplomatie armée. Alors, vous avez raison, j'ai la faiblesse de penser que, en tout cas j'espère, que ce que nous faisons aussi au sein du ministère des Armées aide nos diplomates à être crédibles aussi dans leur mission au quotidien. En tout cas, je vous présenterai dans les semaines qui viennent un projet de renforcement de nos missions de défense dans les différentes ambassades, puisque, après tout, une ambassade dépend du Quai d'Orsay, mais après, vous avez des composantes qui peuvent dépendre de Beauvau ou des armées ou, le cas échéant, du ministère de la Culture. Et donc, je vais prendre ma part sur les missions de défense pour rehausser un certain nombre de postes, par reventilation d'ailleurs de postes entre Paris et les ambassades, parce que je pense que là, il y a un vrai besoin. Et donc, on va essayer aussi d'accompagner les modifications au sein du corps diplomatique, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et c'est nu, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. En un mot, le président voudra y revenir. Il est clair qu'il y aura plusieurs phases dans ce service national universel et qu'à un moment donné, il faut aussi que nous, on soit en capacité de donner de la visibilité pour, je précise bien que tout ça sur la base du volontariat, pour celles et ceux qui ensuite voudront devenir réservistes ou incorporer un certain nombre d'offres pour la jeunesse que le ministère des Armées peut déjà avoir, service militaire, volontaire, etc. Mais aussi, j'aurai l'occasion de revenir devant vous. Retex Ukraine, on le fera dans une session, je crois, spécifique. Voilà, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe GDR, la parole est à Fabien Roussel. Monsieur le président, monsieur le ministre, la défense de la nation, c'est essentiel. C'est la protection de nos concitoyens dans les frontières de la République comme à l'étranger.
c'est protéger nos frontières, notre souveraineté. Alors oui, pour mettre l'accent sur le renseignement, sur les systèmes de défense antiaérien, pour nous protéger du terrorisme, pour donner les moyens à nos militaires d'exercer leur mission, pour produire en France et soutenir notre industrie. Oui aussi pour protéger, défendre notre zone économique exclusive en équipant notre marine nationale qui patrouille dans cette zone de 11 millions de kilomètres carrés où vivent notamment nos concitoyens d'outre-mer. Oui aussi pour se préoccuper du spatial où nous souhaitons que la France, comme d'autres pays d'ailleurs, continue à s'engager contre les essais de missiles anti-satellites qui génèrent des millions de débris. Mais la loi de programmation militaire va passer de 195 milliards d'euros 2014-2019 à 413 milliards d'euros pour la période à venir. Le budget va donc passer de 32 milliards d'euros par an à 59 milliards. C'est 47% de plus, c'est quasiment le doublement du budget des armées. Rien que la modernisation de l'arme nucléaire, rien qu'elle va coûter 8 milliards d'euros par an. Alors, monsieur le ministre, d'abord, ce budget ne manquera pas d'interroger les Français à qui votre gouvernement demande des efforts, notamment avec la réforme des retraites, en leur demandant de travailler plus longtemps pour trouver 12 milliards d'euros. Mais surtout, ce doublement du budget des armées risque de participer à une course effrénée à l'armement qui fait de l'Europe une véritable poudrière. Nous observons une Europe qui s'arme à outrance dans une course, voire même une concurrence dangereuse entre États européens. Je fais référence à l'Allemagne qui va devenir la force, qui rêve de devenir la force armée la mieux équipée d'Europe et engage 100 milliards d'euros. Sommes-nous en compétition avec l'Allemagne ? C'est une spirale terrible au sein de l'Europe, dangereuse pour la paix, qui prend d'ailleurs le pas sur la diplomatie. Alors oui, il faut réparer, transformer, soigner notre défense nationale, mais n'allez-vous pas trop loin ? Est-il nécessaire de doubler le budget des armées alors que tant de besoins et d'attentes s'expriment en France et que tant d'efforts sont demandés aux Français ? Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup, monsieur le député. Merci pour la question, parce que je pense que le débat est noble, et comme il a parfois lieu de manière curieuse sur les réseaux sociaux, j'aime autant qu'il ait lieu de manière posée intellectuellement, comme vous l'avez fait dans le cadre de la commission. Bon, déjà, vous donnez acte vous-même à la nécessité d'être présent sur beaucoup de missions. Et vous le verrez, en tout cas, je forme le vœu que vous puissiez m'en donner acte le moment venu, que lorsqu'on va déplier les 413 milliards d'euros, vous verrez que les différentes missions que vous avez listées vous-même trouvent une traduction rapide. Et donc, malheureusement, c'est assez cher. Tout simplement parce que aussi, pour la première fois, les sauts technologiques sont puissants. La rapidité avec laquelle il faut les faire sont puissants. Et comme on vient de se dire sur plusieurs orateurs qu'il faut en plus le faire en européen ou en français, entre Français, par définition, ça a un prix. Et je pense que ça, j'appelle aussi à une forme d'union sur cette affaire, c'est que ne pas acheter à Pékin, Moscou ou Washington a un coût. Et c'est ce qui explique aussi, parfois on dit, mais comment se fait-il que dans tel ou tel pays, ils ont plus de matériel pour des sommes différentes de nous, etc. Bah, tout simplement aussi parce qu'ils n'ont pas d'industrie locale qui le font. Donc on assume aussi ça. Et comme par ailleurs, vous êtes un défenseur de l'emploi, y compris de l'emploi ouvrier dans un certain nombre de bassins de nos populations et de nos territoires, je pense que quand même, ça pour le coup, et c'est ce qui d'ailleurs reliait les gaullistes et les communistes dans les années 60, qui se sont divisés sur la dissuasion nucléaire, se sont divisés sur les alliances, mais se sont retrouvés, notamment d'ailleurs aussi à l'époque, autour davantage des arsenaux que de la BITD en tant que telle. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on l'assume, sinon on ne dit pas la vérité aux Françaises et aux Français sur ce qu'il y a derrière les 413 milliards d'euros en mission, mais aussi en souveraineté industrielle. Et là, pour le coup, il faut qu'on soit évidemment cohérent. Deux, moi, je respecte vos opinions publiques, vos opinions politiques qui sont publiques et connues depuis les années 60 sur la dissuasion nucléaire. Nous ne sommes pas d'accord, mais le Parti communiste français est constant sur cette affaire, ce qui d'ailleurs avait suscité aussi de vives oppositions dans les années 60 et de cela s'est réitéré à chaque loi de programmation militaire. Vous êtes constant, il n'y a pas de surprise. Et évidemment, moi, je respecte ces convictions en n'étant pas d'accord, mais je le redis. Trois, je pense que notre diplomatie est claire. Enfin, à aucun moment, il y a une volonté de compétition ou d'agressivité de la part de la France. Au contraire, je dirais, quand il y a de l'offensivité, elle est sur le terrain climatique, même si j'imagine que la présidente ou le député Bayou nous dirait que ce n'est pas assez. Mais en tout cas,
Je ne peux pas voir dans la diplomatie française une volonté de rentrer en concurrence ou en agressivité sur le terrain militaire ou sécuritaire avec nos voisins. Au contraire, je pense que, puissance d'équilibre que nous sommes, on essaie parfois aussi de rétablir dans des enceintes comme les Nations Unies, l'OTAN ou l'Union européenne, un multilatéralisme, une prime à la diplomatie. Le vrai sujet désormais, c'est la séparation du monde entre ceux qui pensent que nous avons de vraies menaces qui pèsent sur la nation française et ceux qui considèrent au fond que ces menaces sont virtuelles. C'est une vraie difficulté auquel je me heurte, pour être honnête avec vous, depuis que je suis ministre des Armées, où passer l'émotion du conflit en Ukraine, quand on dit mais il faut mettre de l'argent sur le cyber, sur le spatial, il faut refaire les stocks de munitions, je vois bien que dans le regard de certaines personnes, il y a « vous n'en faites pas assez, on est en danger, bougez-vous, il y a urgence », et dans le regard de d'autres personnes malgré tout, mais pourquoi redonner autant d'argent aux armées? On sait très bien, au fond, qu'on est protégé par ailleurs. On sait très bien que ce n'est pas par la France que ça commencera, etc., etc. Et ça, je pense que c'est clé dans la manière de travailler la LPM tous ensemble. C'est est-ce qu'on s'accorde au moins sur les risques et sur les dangers? Et merci d'avoir commencé par les missions, terrorisme, etc. Parce que tout d'un coup, ça carène très, très vite un standard. Bon. Enfin, deux commentaires, peut-être plus politiques. On ne peut pas attendre de nos soldats un courage invraisemblable si on n'est pas au niveau sur la manière dont on les accompagne. Et ça, c'est aussi le corps social français qui évolue. Et donc, l'acceptabilité de la militarité, elle passe aussi désormais par des infrastructures qui sont sûrement en meilleur état demain qu'il y a 20 ou 30 ans, parce que sans doute qu'un jeune soldat n'acceptera pas de vivre la même chose que certains des anciens il y a 20 ou 30 ans. C'est vrai pour le niveau technologique des armes, parce qu'elles suscitent aussi un intérêt pour le combattant. Donc, si on demande beaucoup à nos soldats, on a aussi un devoir d'équipement qui va en face. Tout se tient, et j'essaierai aussi de le démontrer. Tout dernier point, et vous ne l'avez pas fait, mais vous avez cité la réforme des retraites, c'est un commentaire de citoyen et de ministre des Armées. Je pense qu'on a tort d'opposer les budgets de la nation entre eux. Je suis frappé de voir... Vous augmentez le budget. Vous n'avez pas dit ça, je le précise, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Opposer le chiffre de la réforme des retraites, peu importe les convictions politiques de chacun sur cette réforme, je la défends évidemment. Et le budget des armées, à mon avis, c'est abîmer l'acceptabilité sociétale et politique de la nation tout entière des efforts que l'on fait pour nos soldats et pour notre politique de sécurité commune. C'est comme si d'autres... prenez le budget de ce qu'on appellerait le social ou du RSA et le comparerait avec le budget des dépenses militaires. Je pense que de là où nous sommes, on doit plutôt travailler à une forme d'unité et opposer les budgets liés à la réforme des retraites et le budget des armées, comme certains l'ont fait récemment sur des radios ou des chaînes de télévision, ne me semble pas utile au regard de ce que nous demandons aux soldats par ailleurs. Merci, Monsieur le ministre. Et enfin, pour le groupe Liotte, la parole est à Laurent Panifou. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Face aux enjeux qui nous attendent ces prochaines années, je tiens à commencer ce propos en réaffirmant au nom de mon groupe toute notre reconnaissance et notre fierté à l'égard de nos militaires qui assurent la protection de notre État et de nos concitoyens. Nous avons tous retenu un chiffre clé des annonces du Président de la République, plus de 400 milliards pour la période 2024-2030, un effort massif qui est proportionné au péril des prochaines années. Je remarque que nos voisins européens, peut-être encore plus en retard que nous dans le chemin de la reconstruction de leurs armées, doivent aujourd'hui amorcer des changements plus brutaux. A contrario, pour nous, cette hausse s'inscrit dans la continuité d'un travail mené depuis 2017 avec le soutien de presque tous les groupes parlementaires. Ce chiffre ne doit pas pour autant cacher les défis multiples et des failles persistantes. Premier point sur la priorité donnée au renforcement de notre souveraineté. La dissuasion nucléaire est souvent évoquée, mais elle ne suffit pas à elle seule. Nous avons aussi de nombreux défis capacitaires, en termes de stock notamment. À l'heure des conflits à haute intensité, c'est un enjeu essentiel. Comment la prochaine loi de programmation militaire pourra-t-elle nous permettre de reconstruire nos stocks et d'accélérer les acquisitions? Au-delà du chiffre global annoncé par le Président, quels sont les moyens qui seront annuellement consacrés aux stocks de munitions et matériel? Notre BITD peut-elle suivre ce rythme? Nos industriels sont-ils en capacité d'assurer de front livraison de matériel pour nos armées et commandes pour les pays étrangers?
Autre ambition, le gouvernement entend renforcer la coopération européenne et bilatérale avec nos voisins en matière de défense. Soyons réalistes, la France peine toujours à concrétiser cet objectif. Nous avons célébré les 60 ans du traité de l'Élysée, mais les visions restent divergentes avec l'Allemagne, qui devrait pourtant être un vrai partenaire. En 2017, dans cette commission, a été annoncé le lancement de 5 grands projets d'armement commun. Le résultat semble peu probant. Un exemple, le char du futur, bloqué, faute de bonne volonté de l'Allemagne, mais aussi de rivalité industrielle des deux pays, inacceptable eu égard aux enjeux. Ce ne sont pas des questions qui se règlent par des hausses de crédit. Concrètement, qu'allez-vous faire pour accélérer le pas de la défense européenne, éviter les blocages et permettre à ces projets bilatéraux d'aboutir? Autre point, notre groupe porte un intérêt particulier pour la question des Outre-mer. Nos territoires ultramarins sont particulièrement exposés aux conflits, en particulier dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Pour rassurer les collectivités et les citoyens ultramarins, il nous faudra des capacités de surveillance renforcées et une certaine réactivité au niveau local. Le président n'a pas donné de détails sur ce point. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le député, alors, Outre-mer, il n'a pas donné beaucoup de détails parce que de lui-même a dit qu'il souhaitait le faire lui-même dans un autre cadre et à un autre moment. Ça lui tient particulièrement à cœur. Pour être très honnête, je pense que c'est un des grands morceaux de particularité et de pivot de la LPM qu'on va vous proposer, parce que la tyrannie des distances, parce que les menaces climatiques, parce que les menaces cyber ou hybrides, menaces, chantage sur des flux logistiques, que sais-je, évidemment, sont propres à nos territoires ultramarins. Et donc là, je crois qu'effectivement, il nous faut une copie assez ambitieuse, je ne la détaille pas maintenant, mais sachez que ça doit permettre au fond de rapprocher d'un point de vue tactique et logistique les territoires d'outre-mer de l'Hexagone. C'est une capacité à projeter des moyens opérationnels pour des missions ou des entraînements de manière plus régulière. Vous avez vous-même Pitch Black pour la Nouvelle-Calédonie, pour prendre cet exemple-là, pour l'armée de l'air. Bon, il y a d'autres exemples, évidemment, pour la marine et l'armée de terre. En tout cas, il y a un tout autour de l'outre-mer qui est clé. Et ça ne sera pas pour les outre-mer, ça sera une stratégie par territoire d'outre-mer, parce que la Polynésie française, c'est grand comme l'Europe, et donc c'est un sujet maritime. Si on se pose des questions aussi sur les nouvelles technologies, il est évident que les drones doivent nous apporter des solutions dans un territoire aussi grand. Inversement, la mission dite Harpy en Guyane correspond à d'autres besoins militaires et une autre coordination avec les forces de sécurité intérieure. La surveillance de nos eaux à Mayotte aussi. Bref, donc tout ça pour dire que le président y reviendra lui-même, parce que ça lui tient véritablement à cœur dans son ambition pour nos Outre-mer, et donc on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans le détail. Défense européenne, j'ai en partie déjà répondu, de l'industrie, des coopérations, des instruments communautaires, mais aussi de l'opérationnel. Et ça, je pense qu'il y a des choses à faire, mais j'ai déjà répondu. Sur les défis capacitaires, bon, vous avez raison déjà de dire que c'est le conventionnel qui tient la voûte nucléaire. Parfois aussi, on a lu des choses un peu étonnantes, où on a voulu caricaturer des propos que je n'ai pas vraiment tenus, mais parfois des gens ont des problèmes d'audition. Et donc, il est clair qu'il ne peut pas y avoir de voûte nucléaire si elle n'est pas soutenue par une armée conventionnelle. Capacité aussi à maîtriser l'escalade, capacité aussi tout simplement à protéger les infrastructures de la dissuasion. Donc, pour plein de raisons, évidemment, c'est important. Il est clair que la question des stocks de munitions est clé, mais il faut la regarder pour ce qu'elle est. Je vois bien, si on écoute aussi certains commentateurs, peut-être qu'ils travaillent chez MBDA par ailleurs, mais nous disent qu'il faudrait pratiquement faire des réassorts de stocks dignes de la guerre froide pour avoir des hangars qui seraient remplis de missiles ou de munitions complexes ou non complexes. Non, il faut qu'on soit capable, parce que c'est l'argent du contribuable, cette affaire. Si c'est pour chaque année détruire des missiles parce que la date de péremption est passée, vous serez les mêmes à venir dire au ministre, et vous aurez bien raison, mais comment vous avez géré votre affaire? Donc, il faut qu'on arrive à trouver une cible sur les stocks de munitions qui correspondent à un niveau d'entraînement de très bonne qualité, qui correspondent à un délai de réactivité en cas d'engagement s'il le fallait. Et c'est là, après, on reconnecte avec l'économie de guerre entre le ratio entre réactivité et endurance. Et je le dis comme je le pense, parce que c'est l'argent du contribuable et qu'on en est quand même redevable. Autant que je pense qu'il faut avoir des stocks pour assumer, assurer entraînement, assumer, assurer réactivité. C'est là, après, il y aura un débat dans la LPM avec le rapport annexé, les contrats opérationnels, quel est le degré d'épaisseur de cette réactivité que le Parlement va attendre pour nos armées. Très bien. En revanche, sur l'endurance, c'est là où il faut solliciter l'économie de guerre.
Et c'est après aux entreprises d'être capables de monter en puissance sur la capacité à produire s'il nous fallait tenir. En tout cas, c'est ce que je vous proposerai dans la LPM, qui me semble être la bonne ligne de répartition. Merci, monsieur le ministre. Alors, il nous reste environ 25 minutes et 16 questions. Je propose donc que chaque intervenant se limite à une minute. On va laisser le ministre un peu respirer. Et il disposera d'une dizaine de minutes pour répondre à l'ensemble de ces 16 questions. La parole est à Jean-Michel Jacques. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, j'aimerais évoquer avec vous le concept de défense opérationnelle du territoire. Face à toutes les crises majeures sur notre territoire national, les armées sont en mesure de participer à la gestion de crises avec une grande réactivité et dans le cadre d'un dialogue civil-militaire confronté. Je vous citerai par exemple, et entre autres, le déploiement de l'opération Sentinelle face au terrorisme, de l'opération Résilience durant le Covid, ou l'engagement de nos armées face aux incendies l'été dernier. Et tout cela en est la preuve. Il est indiqué dans la revue stratégique, nationale stratégique, que le concept de défense opérationnelle du territoire serait rénové. Quels sont les axes majeurs de la transformation de ce concept pour répondre au mieux aux nouveaux enjeux sécuritaires ? Merci. La parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors moi, j'ai deux questions. Depuis 2021, le taux de disponibilité technique, c'est-à-dire le rapport entre équipements disponibles et parc total des équipements militaires français, c'est-à-dire le seul indicateur qui permet de savoir combien d'équipements sont réellement disponibles, est confidentiel. Or, à l'approche de l'examen de la prochaine loi de programmation, la représentation nationale aurait souhaité connaître la marge de manœuvre dont elle disposait quant à sa participation dans la construction de cette loi. En effet, pour qu'il puisse légiférer, il est nécessaire que le parlementaire soit en mesure de s'appuyer sur des informations fiables et précises. Or, nous ne pouvons que nous étonner de l'absence de communication, mais surtout de l'absence, et on l'a déjà évoqué dans ces commissions, de réponses faites aux parlementaires qui soumettent des questions écrites au gouvernement sur ce sujet. Donc dès lors, monsieur le ministre, pensez-vous apporter une réponse aux questions écrites qui vous ont été soumises sur ce sujet avant l'examen de la loi ? Enfin, par ailleurs, dans les vœux qu'il a adressés aux armées vendredi dernier, et en l'occurrence à l'armée de l'air et de l'espace, le président a indiqué vouloir passer au tour Rafale d'ici 2030. Très bien. Mais dans ce cas, monsieur le ministre, permettez-moi de relever une petite incohérence. Si tel est vraiment l'objectif, pourquoi concentrer des moyens, du temps et une partie du budget à la rénovation de 55 Mirage 2000 ? Pour rappel, j'en faisais état dans mon rapport budgétaire, le premier Mirage rénové n'a été livré qu'en 2021 et les livraisons prévues s'étalent jusqu'en 2025. Merci. Passer en tour Rafale implique le retrait de toute la flotte. Je propose à chacun de se concentrer sur une question si possible. La parole est à Martine Etienne. Monsieur le ministre, le service de santé des armées a été victime d'une austérité criminelle lors des précédents mandats et continue aujourd'hui à souffrir de restrictions budgétaires, de fermetures d'établissements et d'un manque de personnel criant renforcé par l'intensification des conflits. Lors des débats sur le PLF 2023, vous avez affirmé à mon collègue Aurélien Saint-Toul vouloir suspendre les opérations importantes de restructuration du SSA en cours, mais il semblerait que la fermeture de l'HIA des Genettes de Lyon soit aujourd'hui confirmée. Alors, avez-vous menti ou vous ne savez simplement pas ce qui se passe sur le terrain ? Concernant la LPM, soyez sûr que nous agirons pour l'augmentation des moyens du SSA, pour qu'il prenne en compte les nouveaux modes de conflit, qu'il puisse prendre en charge l'ensemble des blessés psychiques et pour que la procédure d'octroi d'une pension d'indemnité suite à ce type de blessure soit simplifiée. Vous avez d'ailleurs dit que vous y étiez favorable. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous avions d'ailleurs fait une proposition de loi sur la simplification des procédures d'octroi lors du précédent mandat. Enfin, concernant les retraites des militaires, j'aimerais obtenir une clarification. Souhaitez-vous vraiment aujourd'hui demander aux militaires, déjà éprouvés par des conflits de plus en plus intenses, de travailler 2 ans de plus pour une retraite complète ? Retraite des conjoints... des conjointes de militaires. Donc, je rappelle les règles, si possible. Ouais. Pour se limiter chacun à une minute et une question, si possible. La parole est à Josie Poueto. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ma question marque une double actualité, celle de la préparation de la LPM et celle de la réforme des retraites. Elle porte plus précisément sur la situation des conjointes de militaires dont la carrière dépend pour la plupart d'entre elles de la carrière du soldat. Vous allez me dire si je me trompe, mais d'après les chiffres dont j'ai eu connaissance, 73% des femmes de militaires sont en activité, mais elles connaissent des carrières en pointillés et très souvent des changements de caisse d'assurance, ce qui ne simplifie rien. En cause, les mutations régulières de l'époux. Plus de 30 000 militaires ont muté en 2020 et 37% des conjointes de militaires ne retrouvaient pas d'emploi un an après la mutation.
Si, dans ce contexte, les perspectives de carrière sont plus limitées pour les femmes de militaires, comme l'a montré l'Observatoire des conjointes du ministère des Armées, il faut aussi retenir que les conjointes sont souvent contraintes de travailler à temps partiel pour combler l'absence du papa et organiser la vie de famille avec les enfants. Dans cette catégorie de la population, le taux de départ à la retraite avec une carrière incomplète est de 44%. Je ne pense pas que la réforme des retraites prenne en compte cette difficulté. Monsieur le ministre, selon vous, alors que la suggestion de nos militaires impacte lourdement la vie personnelle et professionnelle des conjointes, pensez-vous que la loi LPM serait Merci. Le meilleur outil? Point barre, je m'arrête, je joue le jeu. Allez. Merci. La parole est voilà. La parole est à Jean-Charles Larsonneur. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Un modèle complet, mais pas comme avant. Vous m'avez tendu la perche dans votre liminaire en évoquant les caisses et les cantines et évoquant les SNLE. Alors, je voudrais revenir sur le sujet des infrastructures, qui est un sujet qui me paraît absolument majeur pour cette future loi de programmation militaire. Vous avez évoqué en creux, évoquant les cantines, la question des externalisations, ou en tout cas d'une partie de services qui pourraient être opérés différemment. Que prévoir en termes d'infrastructures? Qu'est-ce qui devrait, selon vous, faire l'objet d'évolutions, d'externalisations? Quel rôle vous voyez pour le SID dans les années qui viennent? Et puisque nous parlions sous-marin, et que je n'ai pas encore écoulé la minute, monsieur le président, entendez-vous accorder le titre de reconnaissance de la nation aux sous-mariniers qui ont plongé à bord des SNLE? Un sujet récurrent et sur lequel Alphos s'est exprimé récemment. Je vous remercie. Merci. La parole est à Benoît Borda. Monsieur le ministre, monsieur le... Ça n'allait pas bien. Excusez-moi, monsieur le président, monsieur le ministre. J'ai raccourci ma question. Hein. Nous devons être en capacité de dissuader tout État ou organisation de prendre le risque de frapper notre territoire national, d'autant que des groupes terroristes, au vu de la baisse des coûts des drones et des missiles, peuvent nous cibler avec une facilité qui était impensable il y a quelques années. En conséquence, le président a donc annoncé avec la future loi de programmation militaire une hausse de 50% du budget de la défense sol-air. Alors, malgré le temps qui nous reste, si vous pouvez nous détailler un peu plus précisément les enjeux et les détails de cette augmentation. Je vous remercie. Merci. La parole est à Julien Rancoul. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interroger sur le budget alloué aux munitions dans le cadre de la LPM à venir. En tant que co-rapporteur de la mission flash sur les stocks de munitions avec notre collègue Vincent Bru, j'ai pu interroger tous les acteurs concernés, les militaires, les industriels et des chercheurs spécialistes du sujet. Le constat est sans appel, notre stock de munitions est actuellement famélique. Les industriels nous ont confirmé attendre chaque jour de nouvelles commandes. Nous devons être à la hauteur de l'ambition de nos discours et la question des munitions ne doit pas être une variable d'ajustement de nos budgets militaires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer la part du budget que vous comptez consacrer aux munitions pour les années à venir? Éventuellement, vous en avez brièvement parlé, pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'achat de munitions rôdeuses que vous prévoyez pour la LPM? Et enfin, pourriez-vous nous dire si vous envisagez de relocaliser une filière de munitions de petit calibre en France pour garantir à l'avenir notre souveraineté dans le domaine? Je vous remercie. Merci. La parole est à Fabien Lenné. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, j'étais ravi de vous accueillir sur ma circonscription dans les Landes. Pour ces annonces, il faisait pas froid, non? Pour ces annonces sur la future LPM, je ne reviendrai pas sur la densité stratégique du discours du président, ça a été largement évoqué. Mais vous savez, donc vous étiez dans les Landes, et dans les Landes, c'est le département de France où on le produit le plus de pétrole sur le territoire français. Vous me voyez venir. 1% de nos besoins, 1% de nos besoins sont produits sur le sol français. Et les armées consomment 1% de nos besoins. Vous parliez tout à l'heure des inquiétudes sur l'évolution du baril du Brent, notamment pour nos OPEX. Moi, je vous parle de pétrole stratégique et de pétrole stratégique responsable, sachant qu'il y a 3 fois moins d'émissions carbone sur du pétrole qui est extrait en France plutôt que celui qui est importé. Quelle perspective par rapport au pétrole français après 2040, sachant que ça mériterait un assouplissement de la loi Hulot, mais dans un esprit tout à fait responsable? Merci, monsieur le ministre. Merci. La parole est à Loïc Prudhomme.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lors des discussions budgétaires au mois d'octobre, et alors que je vous interrogeais via un collègue sur un amendement que j'avais posé sur l'avenir de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picquet, vous mentionnez la suspension des opérations en cours autour du service de santé des armées en attendant l'obtention d'un état des lieux. Aujourd'hui, nous discutons de la construction de la loi de programmation militaire. Où en êtes-vous de l'état des lieux du SSA ? Pouvons-nous aujourd'hui nous passer d'un service de risque NRBT, dans notamment ce que contient l'hôpital militaire Robert Picquet? Et puis, pouvons-nous aussi nous passer des recettes que vous mentionniez tout à l'heure, les recettes budgétaires qui sont apportées par ces hôpitaux militaires? J'ai sollicité une entrevue avec vous pour partager 6 ans de travail parlementaire et de terrain sur cet établissement. J'espère que nous pourrons l'organiser bientôt afin que vous ayez une vue assez complète et en dehors peut-être des présentations peut-être un petit peu tronquées qui pourraient vous être faites des gens locaux qui ont des intérêts parfois un petit peu troubles. Merci. La parole est à Delphine Lingemann. 4 questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, plus que jamais aux côtés de la DGA, notre BITD est le pivot de la nouvelle économie de guerre pour garantir la souveraineté militaire de la France. Nous devons donc accompagner tous nos industriels de la défense dans leur diversité pour répondre au défi de produire plus vite, en grande quantité et à des prix soutenables. La prochaine LPM soutiendra ce changement de paradigme. L'outil industriel existe, le savoir-faire aussi, à l'instar de certaines entreprises situées à Issoire dans le Puy-de-Dôme, Constellium, Aubervilliers ou encore BrainCube, qui, grâce à des technologies d'IA, permet aux industriels d'optimiser leur gestion de production. Afin de répondre aux objectifs de notre économie de guerre, la prochaine LPM devra donc prendre en compte également les problématiques de la BITD, l'érosion de certains savoir-faire scientifiques et technologiques, la tension sur les ressources humaines, la difficulté d'approvisionnement sur certaines matières premières et composants, et je finirai par la lourdeur administrative des marchés publics. En tant que membre du groupe de travail dédié à l'économie de guerre que vous avez installé et qui fonctionne en bonne intelligence, il me tenait à cœur de vous interroger sur le soutien apporté à la BITD. En ce sens, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, apporter une réponse sur certains de ces points, notamment en dressant en état des lieux des commandes publiques à venir en France et au niveau des programmes européens. Par ailleurs... Merci. S'il vous plaît, une seule question. La parole est à Lisiane Métayer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre... Donc, comme vous le savez peut-être, je suis rapporteur d'une mission d'information flash sur les fonds marins que nous vous présenterons par ailleurs très bientôt. Donc, le ministère des Armées a publié en février 2022 une stratégie pour les fonds marins. Dans celle-ci, il était prévu l'achat de 2 drones pour les 3000 mètres et de 2 drones pour les 6000 mètres. Toutefois, de plus en plus d'acteurs s'intéressent à ce milieu. Les menaces se sont dernièrement accrues sur nos câbles de télécommunication, sur nos ressources naturelles, également sur notre dissuasion. Vous avez évoqué dans vos propos liminaires la nécessité de prendre de l'avance sur la maîtrise des fonds marins. Monsieur le ministre, pouvez-vous détailler la part que représentera cet axe stratégique dans la prochaine LPM ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Philippe Serez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Durant son discours aux armées, le chef de l'État a insisté à juste titre sur la nécessité d'un pivot vers la haute intensité. Comme vous le savez, dans un contexte de guerre de haute intensité, conserver la supériorité informationnelle est primordiale. C'est d'autant plus vrai que des ruptures technologiques sont déjà à craindre de la part de nos compétiteurs en avance sur certaines innovations telles que l'informatique quantique ou l'intelligence artificielle. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les contours d'une augmentation des crédits en faveur du champ informationnel et plus largement de la guerre du numérique? De plus, à l'aune de l'actualité au Burkina Faso, pouvons-nous être confiants à la capacité de notre pays à combler ses lacunes s'agissant de la lutte contre les campagnes de désinformation? Merci. La parole est à Jean-Philippe Ardouin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dans un contexte international troublé, la future loi de programmation militaire sera ambitieuse et inédite. C'est un véritable signal envoyé à nos forces armées pour le maintien du statut de la France à l'international et pour notre souveraineté. Vendredi 20 janvier, lors de ses vœux aux armées, le président de la République a annoncé vouloir doubler à terme le nombre de réservistes opérationnels. Nous savons l'importance des réserves pour nos armées, pour notre territoire national et pour le lien armée-nation. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser le budget qui sera plus spécialement consacré aux réserves, et quelles évolutions envisagez-vous pour les réservistes
tant pour le nombre d'heures de service que pour les missions qui leur seront confiées dans l'avenir. Je vous remercie. Merci. La parole est à Christophe Blanchet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je reviens sur les réserves. J'ai eu la chance de participer au groupe de travail, aux 6 réunions de groupe de travail sur les réserves. Et quand on ne faisait pas la politique de la chaise vide, on arrivait à faire des conclusions et des propositions. La preuve, c'est qu'il y a eu 150 propositions. Sur ces 150 propositions, je reviendrai sur l'une d'entre elles, sur le lien RO1-RO2. Et sur le fait que les RO2 ne sont souvent pas identifiés, pas reconnus et pas appelés parce qu'on ne sait pas où elles sont. Donc, est-ce que vous avez une disposition là-dessus particulière pour mieux construire là-dessus sur la RO1 et RO2? Et deuxième question, puisque j'ai le temps, Monsieur le Président, je reviendrai sur votre réponse sur le SNU. Pour une précision, le SNU aujourd'hui, ce sont deux phases obligatoires dans le temps. C'est la phase numéro 1 et la phase numéro 2. Dans votre réponse, il y a une précision sur la phase numéro 2. Vous diriez qu'elle serait facultative. Or, la volonté du président, c'est qu'elle soit obligatoire. Mais à travers votre réponse, que ce ne serait pas que la phase numéro 2 puisse être les facilitantes pour celles et ceux des jeunes qui voudraient aller vers les armées en laissant le choix éventuellement de continuer d'aller vers des missions d'intérêt général telles qu'elle est aujourd'hui. Merci. Et enfin, la parole est à Sabine Tilley. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a un chapitre dans la Revue nationale stratégique qui concerne la résilience de notre société. Donc, on parle beaucoup là, dans la LPM, de la résilience de nos armées, mais en fait, la résilience de nos sociétés en cas de conflit ou en cas de problématique, qu'est-ce qui est prévu dans la LPM? Est-ce que quelque chose y est prévu? Effectivement, on parle beaucoup de l'éducation des jeunes. Il y a des classes défense, il y a le SNU, il y a tout un tas de dispositifs. Mais est-ce qu'il y aura un volet spécifique résilience de notre société? Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je commence par la fin. Bon, résilience, par définition, c'est... D'ailleurs, le mot est très utilisé, peut-être un peu trop désormais. Donc, on pourrait aussi parler tout simplement de résistance, d'endurance. Bon. Donc je pense que ça vaut le coup de le définir, parce que comme médiatiquement, il est employé très, très régulièrement, je ne vais pas dire qu'il est abîmé, mais en tout cas, il peut correspondre à des sens qui ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait toujours attendre ou entendre. Je pense que ce qu'une loi de programmation militaire doit pouvoir faire, et je le dis aussi humblement devant les différentes représentations politiques ici à l'Assemblée nationale, c'est déjà créer de l'unité. C'est ce qu'on est capable de créer de l'unité sur les questions de défense dans l'hémicycle lorsqu'on va voter une LPM. Je le dis parce que j'ai donné l'exemple des années 60, on n'est pas forcément parti bien droit. Depuis, il y a quand même une capacité à créer du consensus autour de ça. C'est quand même la première des sujets. Deuxième des sujets, on parle beaucoup du lien armée-nation. Moi, j'aime bien d'ailleurs plutôt nation-armée, comme si je pense que c'est plus dans ce sens-là que les choses doivent se présenter. Et qu'il est clair que tout ce que l'on va faire pour travailler sur le lien nation armée va dans le bon sens. D'où mon propos tout à l'heure de réponse au député Roussel. Si la somme devient un argument politique pour dire c'est trop, au bout d'un moment, soit on repart des menaces, soit on repart pas des menaces. Et donc, il faut créer aussi du consensus autour de cette affaire-là. Pareil sur les sujets liés au SNU, pareil sur les sujets liés aux réserves, pareil sur des sujets qui existent déjà, le service militaire adapté en Outre-mer, le SMV, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de... Les réserves citoyennes, il y a 1000 sujets qui permettent de travailler, évidemment, sur cette résilience, je remets des guillemets. Et SNU, de fait, on ne parle pas de la même chose. Moi, je suis déjà dans la projection de ce que pourrait être la phase optionnelle militaire proposée par le MINARM en lien avec les réserves. Alors, je l'ai appelée phase 2 parce qu'elle n'a pas de nom encore, mais encore pas la phase 1, c'est ça que je voulais dire, pour être très clair. Mais on aura l'occasion d'y revenir. RO2 et budget. Budget, les sommes seront là, tout simplement. Dès lors que l'on carène un ratio de 2 pour 1, il va sans dire derrière qu'on doit avoir les budgets pour convoquer, les budgets pour habiller et les budgets pour accueillir. J'aurai l'occasion de le détailler, mais il est clair qu'il... D'ailleurs, quelque chose me dit que les obstacles à la convocation ne sont pas forcément budgétaires. Quelquefois, en tout cas. Dans ma vie de réserviste, par ailleurs, j'ai pu le constater. On aura l'occasion d'y revenir. RO2, c'est un beau sujet. Voilà un sujet, en plus, qui est méconnu de la plupart de nos concitoyens. Je rappelle que les retraités de l'arme doivent 5 ans de réserve obligatoire aux forces armées et qu'ils peuvent être rappelés dans le code de la défense à n'importe quel moment
par une décision du commandement du ministre d'ailleurs, ou dans une autre mesure du président de la République en Conseil des ministres. Aujourd'hui, cette obligation, il faudrait la faire vivre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour être très direct, ou que dans des unités très particulières, pour des fonctions très particulières, mais ce n'est pas du tout généraliste ou généralisé. Et donc, moi, je vous proposerai, dans le cadre des conclusions du GT Réserve, que j'aurai l'occasion de revoir prochainement. Merci pour le travail qui a été fait, d'ailleurs, par les associations, les parlementaires, les élus, les syndicats aussi. Beaucoup de travail a été fait et produit sur cette affaire. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais il est clair que peut-être que la capacité à mieux tracer l'aéro-2 dans la durée va être clé, notamment aussi quand il y a un changement d'adresse, quand un militaire qui est parti en retraite, qui soit capable, avec les outils désormais digitaux, de signaler tout simplement qu'il a changé d'adresse, voici son portable, etc. Ça nous permet évidemment de garder aussi cet aéro-2. En tout cas, il faudra qu'on en reparle. La copie n'est pas sèche, parce que pour le coup, moi, je souhaite en discuter avec le GT pour voir un peu ce qu'on va mettre dans la programmation militaire, dans la partie normative sur cette affaire-là. Je remonte en accélérant. Fonds marin, il est clair qu'il y a des priorités de protection de nos infrastructures sous-marines. Ça a été dit pour les câbles, c'est vrai aussi pour les pipelines ou tout ce qui permet de faire circuler un certain nombre d'hydrocarbures. Il y aura une copie importante sur la guerre des mines, parce qu'on voit bien que c'est un sujet pour demain, sur les bâtiments hydrographiques, et puis le président l'a dit, sur les moyens qui permettent vraiment d'aller en grande profondeur, notamment à 6000 mètres. On aura l'occasion de détailler cette affaire, je n'ai pas le temps en seulement quelques secondes, mais en tout cas, la contribution du Parlement et de votre mission sera évidemment plus que la bienvenue, parce que ça va nous permettre de solidifier aussi une stratégie. Là aussi, sur ce sujet, qu'est-ce qu'on veut faire seul? Qu'est-ce qu'on veut faire à plusieurs, notamment en Atlantique ou en Méditerranée, quand on n'est pas loin de nos côtes, en lien avec les Britanniques, en lien avec les Italiens, en lien avec les Espagnols, les Portugais? Ce sont évidemment des questions importantes. Sur le soutien à la BITD, bon, j'ai la faiblesse de penser que cette copie et la visibilité qui va être donnée est déjà un grand soutien. Non, là où en revanche, je pense qu'on doit pouvoir importer un autre soutien, et je ne l'ai pas assez dit, simplification des normes, y compris au sein de la DGA, moins de papier ne fera pas de mal, et au sein des armées, une simplification de l'expression de besoin. Vous avez un canon César à 6 roues, à 8 roues. Enfin, bon, on s'aperçoit que tout d'un coup, évidemment, tout ça n'est pas facile. Si vous voulez standardiser, accélérer, c'est quand même mieux d'avoir standardisé précisément. Donc là, évidemment, le vrai soutien aussi ne sera pas que financier. Il va aussi passer par la manière de commander. Donc ça fait partie du mandat que j'ai confié au DGA ce matin. Service de santé des armées, vous y êtes revenus l'un et l'autre et je vous en remercie. Non, je ne mens pas, Madame la députée. D'ailleurs, je ne me permettrai pas de dire que vous mentez. Le mot est violent. Et c'est ça, on se l'est dit dans l'hémicycle. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'attention que vous avez, parce que c'est un beau service et on sait qu'il a été abîmé. Parce que dans les coupes budgétaires de ces dernières années, c'est vraiment l'infrastructure de soutien, avec le SCA dans une autre mesure, mais qui ont véritablement... C'était difficile, je veux dire, pour les forces engagées dans le service de santé des armées. Moi, j'ai décidé de tout remettre à plat. Ce qui est vrai des infrastructures en province est vrai des infrastructures ou des personnels que l'on peut envoyer en OPEX. C'est particulièrement vrai aussi de Bégin et Percy dans leur capacité à assumer des situations dégradées. Vous pouvez avoir une pandémie type Covid, plus un attentat de masse, plus une cohorte de soldats à préparer à un engagement. Malheureusement, dans un scénario très dégradé, vous pouvez avoir nos deux grands hôpitaux parisiens militaires très sollicités. Et c'est vrai aussi, évidemment, pour les hôpitaux régionaux. Donc moi, je reviendrai vers vous avec une copie service de santé des armées, dont, je vous le dis, évidemment, les moyens vont être en augmentation. Cela va sans dire. De toute façon, on ne peut pas continuer comme cela, au-delà des mesures Ségur, etc. J'entends, c'est-à-dire qu'avoir une copie aussi plus militaire du SSA sur ses missions... ça, c'est aussi clé. Je donne un exemple très concret. Les traumas psychiques, psychiatriques. Il y a peu d'armées qui dédient des moyens en recherche et innovation pour traiter les blessures psychiques des soldats. Bah, ça, typiquement, soit on aide le SSA à continuer sur ces fonctions-là et on pourra avancer, soit on réduit trop les moyens et évidemment, on prendra du retard. Et sur les infras, monsieur le député, vous avez raison, la copie prévoit aussi une augmentation importante sur les infras. Mais je vous en ferai peut-être un focus spécifique sur SSA, parce qu'à l'Assemblée comme au Sénat, et je crois, quelles que soient les sensibilités politiques, il y a une volonté d'avoir une belle ambition pour le service de santé des armées. C'est aussi pour ça que j'ai un peu retenu la copie telle qu'elle était partie. Je l'avais dit dans l'hémicycle, parce que moi, je veux qu'on ait une vision globale sur cette affaire. Donc je le redis d'ailleurs pour les services. Sur les hydrocarbures... Les Landes, bien connues pour son pétrole et son bois, c'est le SGDSN qui a pris la main sur ce dossier. Il est interministériel, il pose effectivement des questions sur notre droit en matière d'accès à l'énergie.
Je pense que c'est un sujet qui peut être sensible aussi par les temps qui courent, donc il faut le circonscrire. Moi, je ne suis pas le ministre décisionnaire sur cette affaire. En tout cas, je sais que vous êtes un avocat qui vous déployez beaucoup sur ce dossier. Vous en avez parlé vous-même au président de la République vendredi dernier. Vous avez saisi un certain nombre de ministères. Et c'est suite d'ailleurs à vos saisines, monsieur le député, que le SGDSN a décidé d'instruire les choses. Donc je vous en remercie pour l'engagement que vous avez et pour votre territoire et pour réfléchir à l'autonomie énergétique des armées dans des solutions dégradées pour le carburant opérationnel. Donc c'est un sujet évidemment qu'on va regarder. Munitions, monsieur le député. Je reviens pas sur ce que j'ai pu dire sur réactivité versus endurance, parce que je vois bien, sinon c'est le contribuable qui va payer 15 ans de stock, quoi. Bon, donc faut quand même être raisonnable. Donc c'est là où on vous fera des propositions pour trouver le bon équilibre. Première chose, munitions rôdeuses, merci d'en parler, parce que pour le coup c'est clé. J'aurai l'occasion de détailler la copie, mais je vais vous répondre quand même directement maintenant. Notre horizon 2030 dans la LPM, c'est d'en avoir plusieurs milliers. Donc une vraie ambition sur les munitions rôdeuses, c'est aussi un des vrais rétextes pour l'Ukraine. Donc plutôt que de faire des stocks de manière indifférenciée, on va aussi s'intéresser à la nature même des systèmes d'armes pour regarder ce dont on peut avoir besoin en fonction de la nature de l'engagement, de la réactivité que l'on doit avoir et l'endurance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur la défense solaire, c'est un sujet qui mérite un détail précis, parce que là aussi, toutes les couches ne se valent pas. L'exo-atmosphérique n'est pas la lutte anti-drone du quotidien. Or, on a besoin de couvrir toutes les couches. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec le Mistral ou avec un certain nombre de techniques ou de capacitaires ou de matériel, on est capable de tenir la courte portée. Il y a évidemment la courte / moyenne portée, notamment les crotales qui sont désormais bien connues. D'ailleurs, je signale à la représentation nationale que quasiment tous les tirs de crotales en Ukraine contre des missiles russes sont des tirs réussis. Donc les Ukrainiens nous l'ont dit, et ça c'est quand même une satisfaction une fois de plus, de donner du matériel qui fonctionne bien, qui est employable et qui permet aux soldats ukrainiens d'avoir une protection effective de Kiev et de sa région. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le souligner. Les crotales, on va les retirer petit à petit au profit notamment de VL-MiKa, on l'a cité déjà tout à l'heure, ça, c'est pour la courte moyenne portée. Puis évidemment, vous avez la grande portée, on connaît le Patriot américain, en franco-italien, ça s'appelle le Samte NG, c'est à peu près le même niveau de technologie, le Samte Mamba, et on va vers une version nouvelle génération NG, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans la nouvelle LPM. Très clairement, la défense solaire a été une fonction négligée ces 15 dernières années, pour tout un tas de raisons. Et c'est un des efforts majeurs de la LPM, y compris en chiffres, en milliards d'euros, hein, pour être tout à fait clair. C'est indispensable, pour plein de raisons que le président de la République a détaillées vendredi dernier. Donc je n'y reviens pas, mais enfin, j'aurai évidemment l'occasion d'en reparler devant vous. Sur le taux de disponibilité des matériels, monsieur le député Gelitti, bon, il faut qu'on trouve une solution. J'assume le secret grand public parce qu'en fait, c'est une donnée dont est friand nos compétiteurs. Je ne me cache pas de la réalité. Hein. Ça donne véritablement la disponibilité réelle de nos armées. Avec, parfois, d'ailleurs, d'une semaine à l'autre, ça peut varier. Parce que, bon. Donc, moi, je vais donner mandat et peut-être qu'on réfléchisse en lien avec le président Gassiou, parce que pour le coup, je ne veux pas priver la représentation nationale aussi de la transparence nécessaire sur cette affaire. Il faut peut-être qu'on trouve le moyen d'avoir une communication sécurisée de cette affaire avec quelques engagements de confidentialité. Bon, voilà. En tout cas, moi, je ne veux rien vous cacher, mais je veux qu'on assume collectivement le fait que c'est une donnée qu'on ne donne pas à ceux qui n'aiment pas la France. Pour faire très vite, je vous réponds tout de go. Donc ça, évidemment, il faut le trouver. Tout rafale. Alors, il y a plusieurs types de mirages. Là aussi, sinon, on fait une grosse saucisse de tout et on ne comprend plus. C'est le mirage 2000-C que nous allons retirer progressivement de la circulation, avec un pivot vers le Rafale. Et donc, tout ce qui est confirmé sur le Mirage 2000T est toujours d'actualité. Je vous présenterai les courbes de pivot. C'est un effort énorme qui tient aussi compte des capacités de production de Dassault, sans retarder l'exportation. Donc là aussi, il faut qu'on... Mais là-dessus, je veux dire, il n'y a plus de stress. Alors, on est sur une flotte de chasse désormais qui est bien standardisée, dont les contrats opérationnels sont connus. Il n'y a plus de tension comme par le passé. Donc la DGA va discuter avec Dassault pour permettre justement d'avoir une trajectoire progressive. On assume le pivot dit tout rafale, comme le dit le président de la République, parce qu'il faut avoir conscience, mais vous le savez, parce que vous avez tenu le crayon pour le rapport, c'est que plus vous avez de types d'avions différents, plus vous multipliez du MCO, et avec un MCO sur les Mirages qui coûte de plus en plus cher les années durant et passant. Donc là, le pivot à la fois coûte un peu d'argent, ça permettra de continuer à répondre aux députés Roussel et aux autres, coûte un peu d'argent parce que ça permettra aussi de réduire les MCO ensuite
sur les années qui suivront. Donc ça aussi, il faudra le documenter et l'expliquer à la représentation nationale. En tout cas, l'esprit de la manœuvre, si j'ose dire, elle est là et elle va être discutée avec les uns et les autres. Et enfin, je termine par le député Jean-Michel Jacques sur la défense opérationnelle du territoire. Ah non, j'ai oublié de parler, pardonnez-moi. Tout le volet, femmes de militaires, retraites, etc. Non, mais... Non. Après, vous reconnaîtrez que la séance de questions cribles est redoutable quand même. Donc, vous me pardonnerez, vous ferez preuve d'indulgence. Non, le plan famille doit... J'ai peur. Le plan famille doit nous permettre de traiter, au-delà de ce qui est prévu dans la réforme des retraites, j'y reviens pas, mais le plan famille doit nous permettre d'avoir des choses encore plus ambitieuses sur les conjoints et conjoints. Moi, je pense que... non, mais la députée Santiago, vous êtes quelques-uns et une à y être revenus dans les groupes de travail. Il est clair que le plan famille 1 que Florence Parly a décidé, il a mis beaucoup de cœur et d'engagement, a permis de faire bouger des lignes. Il y a deux, trois, je l'ai déjà dit publiquement, je le redis à ce micro, il y a deux, trois segments, fonctions qui n'ont pas suffisamment été peut-être traités en lien avec les collectivités territoriales, les enfants en bas âge, les crèches et les conjoints. Voilà, je ne peux pas tout détailler, mais il est clair que il faut que ça soit pris en compte, et vous avez raison, on ne peut pas parler de fidélisation, on ne peut pas parler de militarité, on ne peut pas parler d'acceptabilité du flux de mutation. Le ministère des Armées est celui dans lequel il y a plus de mutations dans la République. Bon, pour tout ça soit acceptable, bien vécu socialement, il y a donc des prérequis, et votre question, évidemment, va dans ce sens de ces prérequis qu'il faut traiter. Député Jean-Michel Jacques, défense opérationnelle du territoire. Bon. Le solaire, ce que je viens de développer sur le solaire est évidemment un des morceaux. Ce que je viens de développer sur l'outre-mer est un des autres grands morceaux. Et en fait, on voit de plus en plus que les contrats opérationnels entre l'Hexagone et l'outre-mer mériteront d'être un peu spécialisés. Donc le chef d'état-major des armées y travaille. Coordination avec les forces de sécurité intérieure. Toujours une opération qu'on appelle Sentinelle qui est en cours. Quand c'est pas Sentinelle, en Guyane, Harpie, on est sur le territoire national, mais on a quand même un engagement des forces qui est parfois très difficile, très dur pour nos militaires déployés sur le terrain. Donc là, il est clair que peut-être que plus qu'à l'accoutumée, et vous qui connaissez bien les armées pour y avoir servi, on va sûrement aussi développer une approche plus fine géographiquement en fonction des missions. Typiquement, cet été, feu de forêt, déclenchement des missions de protection du territoire par le génie, etc. On avait un savoir-faire dans les départements du sud de la France. Manque de bol, réchauffement climatique. Ce sont des départements plus à l'ouest ou plus au nord qui ont été touchés. Comment on organise cette affaire-là? Bon, c'est là où l'intrant réserve et réserviste, évidemment, va intervenir. Et là, je vais mobiliser dès demain, parce que je recevrai à Ballard les grands chefs du ministère des Armées, je vais beaucoup mobiliser les DMD et les officiers généraux de zone de défense pour aussi nous faire remonter un certain nombre de propositions en lien, mais je ne suis pas objectif sur le sujet, avec nos gendarmes, parce qu'ils sont militaires et s'ils sont sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, on sait très bien aussi que dans certaines configurations, les gendarmes ont des missions aussi de défense du territoire. Donc là, le sujet est vaste, mais il faudra qu'on le traite aussi très correctement dans le rapport annexé de la LPM, parce qu'il va donner aussi le champ des ambitions. Merci, monsieur le ministre, et bravo d'avoir relevé avec brio et panache le défi des réponses en temps réel aux orateurs de groupe. Mes chers collègues, prochaine audition demain à 9h avec le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Très bonne soirée à tous.